Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour à Bisanos pour la dernière journée des championnats de France élite de canoë kayak au programme cet après-midi. Donc le kayak homme et le canoë dame des courses de l'après-midi où il reste un petit peu de suspense parce que Sébastien Combeau, le canoë homme, c'est fait. Le canoë homme, ça s'est terminé hier, donc avec trois retenues. Donc Denis Gargochanu qui était présélectionné champion olympique. Martin Thomas, que nous avons eu la joie d'avoir parmi nous hier, a remporté à l'issue des trois premières courses sa place en équipe de France. Et enfin le petit dernier, Cédric Joly, donc après du suspense jusqu'au bout, a gagné son ticket pour l'équipe de France. Alors, pour le kayak, pour le canoë des hommes, c'est fait. Pour le kayak dame, c'est encore un petit peu de suspense, pas du tout, parce que ça a été fait hier avec Marie-Zélia Lafond, qui a été championne de France, qui a gardé son titre, hein, si je ne me trompe pas. Et ça a été compliqué, ça a été tendu jusqu'au bout pour le troisième ticket. On parle toujours de ce troisième ticket. Et c'est Camille Prigent qui a su sortir son épingle du jeu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Lucie Baudu avait aussi gagné son ticket à l'issue de la deuxième compétition, de la troisième course, pardon, des sélections. Et c'est Camille Prigent pour qui tout restait à jouer sur la course de hier, qui a finalement fait une bonne manche, terminé deuxième. Et du coup, c'est sélectionné pour cette équipe de France, donc qui comprendra des championnats d'Europe fin mai, début juin à Pau. Suivi d'une série de coupes du monde et enfin la course de fin d'année, les championnats du monde qui seront en Espagne à Ceu d'Urgell. Alors, on a parlé des courses d'hier. Alors, pour le kayak homme, les sélections, c'est fait aussi. Il n'y a plus de suspense quasiment, hein, puisque on sait que Boris Neveu, Quentin Burgy, Mathurin Madoré vont être sélectionnés en équipe de France. Seul suspense, on va dire, dans cette course, un petit peu, peut-être le podium, l'ordre du podium de ce championnat de France élite. Oui, il y a l'ordre du podium et puis après il y a surtout aussi les sélections pour les catégories inférieures, Inférieure plus en jeunes, jeunesse. ouais, les moins de 23 ans et puis les moins de 18 ans pour qui le challenge n'est pas totalement terminé, hein, et puis on va le voir et là ça va être très intéressant de le suivre. Reste la dernière épreuve, celle dont on n'a pas encore parlé, le canoë. Dame, alors là, il reste un peu de suspense qu'on va vivre en direct encore une fois sur Noah pour la troisième et dernière place, pas du podium, pas forcément, mais en tout cas pour le dernier ticket pour les sélections l'équipe de France élite. On a Lucie Baudu, c'est fait. C'est fait. Lucie Priou, c'est C'est fait. fait Les aussi. deux Lucies, c'est fait. Reste une lutte acharnée entre deux jeunes dames qui vont tout faire pour s'imposer, c'est-à-dire il y a une lutte entre Claire Jacquet d'Ancerville-Bar-le-Duc et de Margot Henry qui, elles, veulent obtenir leur qualification pour les championnats d'Europe et les championnats du monde et se projeter vers Tokyo 2020. Donc là, c'est comme hier avec Camille Prigent et Carole, c'est la guerre. Ouais, ça va être une compétition vraiment jusqu'au bout avec donc entre ces deux athlètes, hein, il y a un léger avantage pour Claire Jacquet qui a fait des meilleures courses en ce début de sélection, mais tout est encore possible suivant la course d'aujourd'hui et je pense que les deux athlètes auront à cœur d'aller chercher ce dernier ticket. Alors on est en train de regarder ce parcours qui a été très piégeux hier. Pendant qu'on regarde ce parcours, on va accueillir une invitée. Une invitée, c'est la surprise. Hier on a eu Martin Thomas, on a eu Lucie Baudu. Et bien maintenant, tout de suite, elle arrive, Marie-Zélia Lafond. Bonjour. Bonjour. Championne de France, vous avez gardé votre titre. Hier on parlait, vous êtes la locale hein, d'Orthez, vous entraînez souvent ici. Oui. Conserver, garder, gagner un nouveau titre de championne de France, pardon. Ouh, ça fait du bien, on vous sent. Ouais, ça fait toujours du bien, c'est un soulagement. En plus, gagner cette année, c'était d'autant plus important. En plus, on est tous en route pour une sélection pour Tokyo 2020. Donc, l'histoire de bien marquer le coup ici même à Pau. Et après, en plus, il y a les championnats d'Europe dans fin du mois. Donc, c'est vraiment. C'est top. Top, on a senti. Vous êtes une des rares hier à avoir décidé de ne pas faire l'impasse sur la quatrième manche. Vous êtes une des seules.
On a bossé un peu avec Sébastien, vous êtes une des seules. Pourquoi vous êtes relancé? Vous aviez la possibilité, c'était fait, de faire l'impasse pour vous projeter directement sur les championnats d'Europe. Et vous avez voulu quand même y aller. C'est pour continuer à engranger les manches, comme a dit Sébastien, ou parce que vous vous disiez, je suis aussi ici, c'est chez moi, c'est moi la patronne. En fait, vous avez deux raisons. Comme dit Sébastien, c'est pour engranger d'expérience et aller plus loin. Et vu qu'on est un pic de forme, donc continuer et aller se chercher, aller voir les limites, aller chercher autre chose, voir comment ça peut faire, comment je peux aller vite. Et j'ai fait une grosse manche malgré mon 50 secondes à un stop un peu tendu. Et surtout, je suis allée chercher le plaisir d'être sur l'eau et à naviguer pour moi et m'éclater sur l'eau, prendre autant de plaisir à faire glisser le bateau, à avancer. Donc, je me suis bien amusée. Ça a été dur la première manche, un peu de fatigue en demi-finale, et puis après une bonne sieste, et après c'est reparti, on va jouer quoi. Du plaisir, vous avez dit, il y a bientôt les championnats d'Europe. Mais, juste après, on a les championnats du monde, qui sont peut-être, qui est la compétition peut-être la plus importante par rapport à Tokyo 2020. Vous êtes à la maison. Est-ce qu'on se dit, à un moment, on se pose la question, j'en ai un petit peu parlé sur le bassin ce matin, est-ce qu'on pose la question en se disant, ouais, il y a le championnat d'Europe, mais ça doit rester une étape pour ce mondial parce que faire une grosse performance au championnat du monde, ça veut dire quasiment se positionner le mieux possible pour Tokyo. Voilà, vous avez entièrement raison, c'est tout à fait ça. Les championnats d'Europe, ça reste une course à la maison et puis c'est toujours sympa de marquer le coup et de faire des belles courses et tout le temps. Mais après, c'est une étape pour la préparation, donc pour les championnats du monde qui sont à Céaudé-Urgel, dans les Pyrénées encore. Mais d'autant plus important, on a tout un circuit Coupe du Monde aussi qui vont compter au niveau des pondérations pour les sélections de Tokyo 2020. Donc oui, les championnats d'Europe, on va pas rigoler pour les faire, pour voir bien préparer la suite qui sont les Coupes du Monde et les championnats du Monde. Vous êtes trois consoeurs, trois compatriotes, trois athlètes. Aux Jeux Olympiques, il n'en restera plus qu'un, c'est Highlander façon Woman et Canoë Kayak, mais c'est vraiment ça, il n'en restera plus qu'un. Comment on se dit, on est en équipe de France, évidemment, c'est la France qui doit gagner, mais on se dit, voilà, là c'est moi qui dois y aller. Il y a une grosse pression, il y a une grosse préparation mentale pour se dire à ce moment-là, sur les trois, il n'en restera plus qu'un, ça doit être moi. Oui, il y a une grosse préparation mentale qui doit se faire, mais avant tout la différence se fait sur l'eau, donc il faut donner le meilleur soi-même sur l'eau et c'est la meilleure qui partira, qui va se départager des autres, donc c'est la meilleure qui ira quoi. On sent c'est très lucide, très carré. Maintenant c'est la meilleure qui partira, c'est quand même pour vous que ce soit moi. Oui, ça c'est sûr. Non mais ça clairement. J'étais une fois, j'ai envie d'y retourner, voilà. Et prendre ma revanche à Tokyo 2020. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, après c'est le sport, ça reste du slalom, rien n'est fait, tout est à faire. Il peut y avoir des rebondissements. Enfin, tout ce que je sais, c'est que je me fais plaisir à aller sur l'eau, à aller vite. Et comme tout le monde, je rêve encore de jeu et d'y retourner. Donc je ferai tout pour y arriver et que ça soit moi qui prendra le départ pour Tokyo 2020. Ça, c'est clair. Dernière question, après je ne vous embête plus. Ambition, justement, pour le championnat d'Europe et la Coupe du Monde, évidemment, parce que c'est aussi important, une Coupe du Monde. Ça montre aussi une constance sur toute la saison au niveau international. Et le championnat du monde, quelles sont les ambitions de Marie-Zélia Lafont pour ces trois grands rendez-vous avec deux pointes pour moi, championnat d'Europe, championnat du monde. Je pense qu'au championnat d'Europe, c'est d'y aller progressivement, enfin, c'est d'être dans les cinq et voir ce que ça donne. Et après, continuer sur cette lancée, puis je verrai bien. Enfin, faire des finales et d'être dans le top 5 et voir un podium et au mieux gagner. Mais après, rien n'est fait, donc il faut rester lucide. Ma propre envie, c'est de me faire plaisir, donc après, je verrai bien. Avec le plaisir viendra les résultats. Voilà, ce sera le mot de fin pour Marie-Zélia. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être revenu nous voir pour lancer cette dernière journée qui va commencer dans quelques instants. On va retrouver Sébastien à mes côtés qui va nous apporter toute son expertise technique sur les manches à venir, avec à commencer par la manche de kayak homme et cette finale A qui va prendre son envol dans quelques instants avec en premier concurrent Anatole Delassu, qui est un tout jeune concurrent et qui vient de se qualifier pour sa première finale A de ses sélections. Un grand moment pour Anatole Delassu, hein, Sébastien. Oui, Anatole, c'est un jeune espoir français, hein, qui monte. Il vient vraiment bousculer la hiérarchie chez les seniors.
alors qu'il a même pas 18 ans, donc c'est vraiment un jeune bateau. Et puis on le voit bien parti là sur ce haut de parcours. Je pense que voilà, c'est sa première en finale A et je pense qu'il veut marquer les esprits. Et qui s'entraîne ici même à Pau hein, pour Anatole pour l'instant. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de temps intermédiaire puisqu'on est dans la première, le premier concurrent à s'élancer. Ça se passe plutôt bien. Attention à cette 10 où il se fait brasser par le rouleau. Anatole, il a perdu beaucoup de temps sur cette 10. On le voit remonter. En fait, Anatole, il a voulu passer au plus juste, tendre la trajectoire au plus juste sur cette porte 10. Et puis en fin de compte, il n'est pas rentré dans le contre-courant finalement. Et donc il passe à côté de la porte, donc il est sport et il est parti la rechercher pour poursuivre son parcours, essayer d'aller jusqu'au bout. Je pense que ça va être un petit peu dur là effectivement maintenant, étant donné qu'il sait que c'est terminé, mais bon il est sport, il va aller jusqu'au bout. Une touche à la 15. Bon, il a voulu passer la porte pour, vous l'avez compris, hein, depuis que vous suivez ces épreuves de canoë et de kayak depuis 3 jours, qu'une porte manquée, c'est 50 secondes de pénalité. Autant vous dire que c'est fini pour jouer la gagne ou être placé dans la finale A. Et une porte touchée, c'est 2 secondes, comme c'est arrivé pour Anatole à la 15. Ce ne sera forcément pas le temps de référence parce qu'il a perdu beaucoup de temps pour aller remonter cette porte et la passer dans le bon sens. L'enchaînement porte verte 23, 24, 25, vous avez compris. La dernière porte à contre-courant, hein, les rouges contre-courant, les vertes dans le sens du courant. Et donc la dernière est à la 22 et il n'est pas content Anatole parce qu'il voulait marquer les esprits. Ce jeune. Lui qui était passé en 97-39 plus 2 secondes de pénalité en finale, ouais, il est pas content. Effectivement, je pense qu'il voulait vraiment aller marquer le coup chez les seniors. Et bon, voilà, malheureusement, il a perdu trop de temps et il sera pas dans les plus hautes marches du podium. Ouais, on imagine bien le retrouver par la suite. Ouais, c'est un tout jeune, hein, donc on le reverra. Alors lui, ce sera pas Tokyo 2020, mais ce sera clairement Paris 2024. Ouais, c'est clair que on risque de le voir monter en puissance dans les prochaines années. Johan Crespo, le premier espagnol de cette finale A de kayak. Vous l'avez compris, un kayak double pagaie. Hein, on rappelle sans cesse, kayak double pagaie. Le canoë, c'est une pagaie d'un seul côté qu'on passe d'un côté à un autre, ce qu'on appelle bordé ou débordé. On se rappelle les fondamentaux, Sébastien. Ouais, le kayak qui vient des Esquimaux, hein, le canoë des Indiens déjà. Et puis après, c'est vrai que voilà, on est assis, les pieds devant, on a des calages au niveau des genoux pour s'aider des genoux, on a des calages au niveau des pieds pour pousser sur les pieds. Puis ensuite on a une pagaie double qui fait à peu près 600 grammes hein, en carbone qui nous permet d'avancer, c'est vraiment le prolongement de la main. Et donc le canoë c'est différent, on est vraiment à genoux, les fesses entre les malléoles à peu près à 6 cm de haut. Donc on est un petit peu plus instable qu'en kayak et on pagaie surtout que d'un côté, donc avec une pagaie avec une seule pale. On pagaie que d'un côté, si on pagaie de l'autre côté, on se déborde. Et on l'a vu hein, finalement, notre jeune Anatole, il avait fait un bon hein, début de parcours puisque Johan Crespo, l'Espagnol, était à 26 secondes de retard sur le haut du parcours. Évidemment, dans le deuxième intermédiaire, il a pris l'ascendant puisque Anatole était allé rechercher cette porte comme vous l'avez vu. Et donc, c'est Johan Crespo, l'Espagnol, qui va signer le meilleur temps de cette finale A après deux passages, 98.16. Il améliore son temps de la demi-finale. 99.10 en demi-finale, Johan Crespo, un bon passage, 0 de pénalité, pas de faute. Ça va être notre temps de référence, mais on a vu qu'Anatole finalement avait fait un bon début de parcours et a pêché avec malheureusement cette porte mal négociée. Ouais, effectivement, c'est un joli temps de base pour Johan Crespo. Je pense que ça ira plus vite hein, parce qu'on a vu que les meilleurs de la demi-finale passaient en 95.10, donc ça risque d'être dans ce temps-là. Après, juste une petite précision, pourquoi on a effectivement les Espagnols au départ de ces compétitions, tout simplement parce que la Fédération française de kayak et la Fédération espagnole de canoë-kayak ont décidé d'organiser en même temps leur sélection.
Donc en France et en Espagne. Le week-end dernier, il y avait une première étape de sélection qui se faisait en Espagne, et cette semaine, c'est en France. Et du coup, donc, les athlètes français et espagnols concourent ensemble en des classements séparés par rapport à leur sélection, bien entendu, mais ça permet de mutualiser, de confronter les deux équipes, et puis aussi de pouvoir aller s'entraîner en Espagne, le lieu des championnats du monde 2019. Oui, vous l'avez entendu avec Marie Zélia à la fin qui disait, bah là on a pu s'entraîner, moi, reconnaître le parcours espagnol, on a reconnu le parcours français, donc c'est tout bénéfice pour les athlètes et espagnols et français. Hein. Je vous rappelle que, allez, si on reprend les podiums, les meilleures nations mondiales, c'est quasiment le championnat d'Europe. Hein. Vous retrouvez au championnat d'Europe les nations qui vont jouer les podiums au championnat du monde, mais aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est aussi pour ça qu'aux Jeux Olympiques, vous n'avez qu'un concurrent par nation, parce qu'on essaie d'ouvrir le canoë et le kayak aux autres nations, telles le Japon. On parle de Tokyo 2020 hein, cette fois. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. On retrouve tous les continents, un maximum de délégations. Bon, encore une fois, il faut sélectionner pour les Jeux. Hein. C'est un quota, quota par pays, quota qui va se gagner justement aux sélections au championnat du monde de CO d'Urgel. Donc ça sera aussi un deuxième enjeu hein, pour l'équipe de France de sélectionner ben, un maximum de quotas dans toutes les disciplines pour s'assurer d'être présent aux Jeux Olympiques. Avec le passage d'Yves Prigent qui a raté la dernière, la 25. On l'a vu dépité Yves Prigent, surtout qu'il bah, avait fait un très très bon temps. Et finalement, bon, il est troisième de cette finale-là, troisième moins bon temps. Mais avec ce 50 de pénalité, il était à 68 centièmes d'avance au deuxième intermédiaire, Yves Prigent. Et il a raté cette dernière ultime porte, c'est rare ça. Ouais, c'est rare effectivement. On a vu que il a cherché à tendre maximum les dernières la trajectoire dans les dernières portes. Et puis pris de court, il n'a pas réussi à venir se jeter dans cette dernière porte. C'est arrivé d'ailleurs pour sa sœur qui elle avait décidé hier, Camille Prigent, de faire une traversée en marche arrière pour justement récupérer cette dernière porte parce qu'elle était un petit peu à côté de la trajectoire. Paul Houlen à présent, des Alligators de Landerneau. Paul, il est sixième du classement général du championnat de France actuellement. Il a fait 98,38 en demi-finale. Lui aussi, hein, si ce n'est lui, c'est donc son frère, parce qu'ils sont toute une famille à pratiquer le canoë et le kayak. Et il y a de l'émulation dans la fratrie, et puis ça donne eh bien, une qualification pour la finale A. Ouais, effectivement, là, c'est une bonne chose de voir Paul Houlen sur cette finale A, parce que lui est toujours en course pour une sélection dans les moins de 23 ans. Un petit peu en difficulté sur les premières étapes espagnoles. Il est bien revenu dans la course à Pau, et là, le fait de le voir en finale A, c'est plutôt bien. Hier aussi, il était en finale A, il terminait quatrième, je crois. Et du coup c'est de bon augure parce que pas mal de concurrents autres en moins de 23 ans ont pêché sur cette demi-finale et ne sont pas au rendez-vous en finale A, donc vraiment il a un coup à jouer Paul Houlen, et du coup c'est bon malgré ses deux touches. Attention, hein, on voit là, la pression pour ce jeune kayakiste, deux touches à la 8 et à la 15, il ne faut pas relâcher, ne pas sortir de son projet. Vous l'avez répété souvent durant ces trois jours de commentaires. Rester dans son projet, c'est ça aussi la force avec cette 22 en stop qui a posé énormément de problèmes aux concurrents hier. Effectivement, ouais, là on le voit aussi un petit peu en difficulté sur cette dernière porte. On voit qu'il prend le temps de la récupérer pour justement finir son parcours le mieux possible. Ça va être juste, hein, il a un temps qui est pas forcément extraordinaire, 102,11, il est à presque 4 secondes de son temps de la demi-finale. Ça a été difficile à la fin, on a l'impression Sébastien, alors une nouvelle fois vous allez me dire que c'est une impression visuelle parce que l'eau elle est plus sombre etc, mais on a l'impression que par rapport à hier, la fin de parcours, la 23, 24, 25, c'est plus compliqué. Nos kayakistes, là, les 3-4 premiers à être passés, ont du mal à prendre ce sprint final, à s'élancer complètement dans le sprint final. En fait, je pense qu'ils veulent aller trop vite. Ah, c'est le fameux trop vite, et moins ouais, vite. Ouais, plus vite égale moins vite. c'est vrai que en fait, on les voit partir très très court de la dernière trop remontée tendu. À droite, d'accord. Trop tendu. Et du coup, en fait, ils sont un petit peu déséquilibrés dans les portes 23-24, et ça se paye dans la dernière porte.
En ski, par exemple, vous voyez souvent en slalom un skieur qui est court, qui est court, qui est court. Et puis la dernière porte, boum, il a loupe. Et là, c'est souvent sur le bord que ça se termine en ski. Simon est né à présent de Célesta. Il a 21 ans. Il était 9e. Au classement avant le début de cette dernière manche, Simon est né, moins de 23 ans donc également. Ouais, moins de 23 ans pour Simon, donc lui il essaye de matcher hein, en faisant une bonne dernière course aujourd'hui, il pourrait un petit peu bouleverser le classement des moins de 23 ans et il est plutôt bien parti hein, parce qu'il était en bon contact avec Joan Crespo sur le premier sectoriel, on le voit plutôt... plutôt rapide là sur la suite, on va voir ce que ça donne sur le bas de parcours. Ouais, pour l'instant ça se passe plutôt bien, pas de pénalité, il était à 5 centièmes de retard sur le premier intermédiaire, on va voir ce que ça donne après cette 17 en stop. Ah, c'est pas mal quand même, ça c'est court. 2 secondes 50 d'avance, il a gagné du temps, Simon est né sur le temps de Johan Crespo, ce stop 19 qui passe bien, il enchaîne avec cette verte, la 20. C'est plutôt très bien là ce que nous fait Simon. Le juge de paix, la 22, attention à cette chandelle qui a failli partir, qui a failli emporter le canoë sur la 22. C'est le juge de paix, la 22, un stop très très court. Et... on le voit bien sur les trois dernières décalées là. Et puis là, un joli sprint bien dynamique. On va voir ce que va nous faire. Très joli temps de Simon. 96-39, il avait fait à 98-02 lors de la demi-finale avec un 2 de pénalité. Il est quasiment dans le temps. Dans son temps de demi-finale, si on parle de temps pur. Effectivement, ouais, c'est plutôt bien, hein, Simon. Hein. Je pense qu'il est content de sa manche. Une manche à zéro, donc c'est quand même essentiel en finale. Et puis un bon chrono. Donc on va voir comment vont concourir les derniers concurrents, avec d'abord l'Espagnol David Llorente. Une pointure qui vient chercher aussi sa sélection pour l'Espagne. Bon, David Llorente, il ne va pas le jouer... dans la sélection de l'équipe de France, il est là pour se qualifier pour l'équipe d'Espagne, David Llorente qui s'est classé le meilleur espagnol pour se lancer dans cette finale à deux kayak. David Llorente, c'est vraiment un grand gabarit, hein, des bras immenses, une carrure plutôt de rugbyman que de kayakiste. Donc Sébastien, centre de gravité plutôt haut. Ouais, centre de gravité plutôt haut, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais on a vraiment tout type de profil. Après, il adapte son matériel en fonction, il a une pagaie plus grande, il a un bateau un petit peu plus gros, plus volumineux, qui lui permet de rester à l'aise et de faire à peu près la même chose qu'un gabarit plus léger. Ouais, plus costaud, donc ça doit on le voit, ce surf justement dont on parlait hier, qui est vraiment bien négocié, hein. il a pas perdu de temps. Pas de touche, plus 11 centièmes d'avance, plus de retard pardon, au premier intermédiaire. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour David et Llorente. La touche, elle est nette celle-là. Elle est nette cette touche à la porte 15. Là, on le voit à nouveau toucher le fond cette fois-ci dans cette porte 16. Ouais, c'est les choses qui arrivent. Effectivement, il a dû sauter au niveau entre la porte 14 et 15, sauter sur le rouleau. Et là, on a vu sa pointe avant fouetter à la réception. La porte, c'est compliqué parce qu'effectivement, tout compte, sauf l'eau, pour les touches. Donc les juges sont là sur le bord pour justement analyser si c'est le bateau, la pagaie, la personne, ou si c'est de l'eau qui a touché la porte, tout en sachant que l'eau, la gerbe d'eau qui toucherait la porte n'est pas comptée comme une pénalité. Ouais, on va encore utiliser le plus vite, moins vite. Mais il a peut-être voulu un petit peu trop couper la trajectoire et du coup, il s'est laissé emporter par ce petit saut hein, qu'il y a. Vraiment, c'est un vrai. Hein, quand vous regardez au bord du bassin, c'est un vrai petit saut. Ouais. Et si vous attrapez pas la vague bien en dessous, ça part dans tous les sens. C'est ce qui est arrivé à David Llorente qui signe quand même à 98,29, ce qui est un tout petit peu supérieur à sa demi-finale, mais avec 2 secondes de pénalité. Donc en temps pur, il était quasiment plus rapide. Ouais, effectivement. Ouais. Et du coup, il se classe juste derrière l'autre espagnol, Joan Crespo, qui du coup est content parce qu'il reste le leader pour se qualifier pour la sélection au championnat d'Europe. Donc ouais. Vous rendez compte, pour une toute petite erreur, c'est la pointe de son kayak qui vient toucher la porte
Et là, c'est peut-être des espoirs de qualification, de sélection qui peuvent s'envoler. Pas là, puisque non, je crois qu'ils sont tous les deux en lice pour vraiment être dans l'équipe d'Espagne. Ouais. Mais il faut marquer aussi des esprits pour Tokyo 2020. On en est toujours là. On n'est pas à court terme là. On est à Tokyo 2020. C'est l'objectif de tous ceux que vous voyez passer avec. Alors peut-être pas Benjamin Reignan. Benjamin Reignan, là pour lui c'est compliqué parce que c'est une situation pas forcément évidente parce qu'aujourd'hui Benjamin Reignan qui est d'ailleurs très bien parti. Moins 16 centièmes au premier intermédiaire. Donc la difficulté en fait c'est que cette sélection 2019 elle a vraiment deux objectifs. D'abord se sélectionner pour l'équipe de France cette année, faire les compétitions de cette année. Mais le règlement de sélection français est aussi particulier parce qu'il il propose de sélectionner le sélectionné olympique suite aux courses internationales de cette année. Une touche pour Benjamin Reignan à la 15, 2 secondes de pénalité. Ouais, joli stop, là, il a bien emmené le kayak, il a joué avec la pointe justement pour effacer cette porte-là. La 19 qui se passe sans souci pour Benjamin avec juste 2 secondes, un petit peu plus dur dans ce rouleau. Avec l'enchaînement 21, 22, 7, 22 rouge. Donc vous l'avez compris, où on remonte dans le sens du courant, qu'il a bien négocié cette fois. Est-ce qu'il va pouvoir s'élancer correctement dans le sprint final? C'est plutôt pas mal. Et on enchaîne avec Benjamin Reignan. 95, 96, il va être juste derrière. 98,07, 1 seconde juste 68. Derrière Simon Henné. Et il finit voilà, à la deuxième place pour l'instant, en tout cas, dans le match franco-espagnol. Avantage France. Avantage France, effectivement. Non, c'est plutôt une manche, c'était une bonne manche à part cette touche hein, pour Benjamin qui du coup est relégué à la deuxième place. 1 seconde 68, ouais, il n'est pas content Benjamin. Et on sent quand même que final, ça se joue beaucoup sur le détail, oui, c'est le sport. Le diable se cache dans les détails en sport de haut niveau. Mais il y a toujours, voilà, il le dit lui-même, ouf, mince, dommage. Mais on sent qu'on est bien dedans. On perd un peu le tempo, mais je vais dire un quart de seconde, et c'est l'erreur qui coûte très très cher. Ah oui, tout à fait. On se souvient hier de Jules Bernardet qui était vraiment parti pour se qualifier pour l'équipe de France senior, et tout se passait bien. Et à la porte 20, il sort complètement de la course et tout est terminé. Donc c'est vraiment. Ouais, le diable est dans les détails, effectivement. Attention, cette touche de Mathurin Madoré, parce que là on arrive dans les trois derniers, les trois meilleurs, les trois qui vont se qualifier pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et maintenant là, on est dans la guerre psychologique, clairement, dans la fin de ce championnat de France. Mathurin Madoré qui veut marquer les esprits, qui veut dire à Boris Neveu et à Quentin Burgi, je suis là, je vais vous montrer que pour la sélection pour les Jeux Olympiques, je serai bien présent. Il prend tous les risques, il part à 200%. Oh là là, deux touches. Ah là, il est à 120% et effectivement. C'est ce que disait aussi un petit peu Marie-Zélia tout à l'heure. Prendre des risques, voilà, ils sont. Tous les trois derniers concurrents sont déjà sélectionnés pour l'équipe de France. Et du coup, cette course, pour eux, c'est l'occasion de faire une manche de plus. Ils sont en forme. C'est d'essayer d'aller un peu dépasser les limites. Ils sont un petit peu plus relâchés. Et du coup, ils attaquent. Quoi. Et puis, clairement on prend les repères pour voir jusqu'où on peut aller pour les championnats d'Europe. Là, on est clairement dans cette logique-là. On a l'impression avec Mathurin qui prend tous les risques. Voilà, le stop, il est très, très court. Ah, et voilà, on essaie de le repasser. Et ça passe à... au millième de centimètre près là. Ah oui, effectivement, hein, c'est vrai que les athlètes vraiment cherchent à être les plus proches possibles des piquets. On voit qu'il en termine 99,71 avec 4 secondes de pénalité. Là on est à dans un, donc quasiment un 95. Ouais, 71, fait, ouais. On est dans les meilleurs temps de la demi-finale. Effectivement, ouais, il a pris tous les risques, alors ça n'a pas payé parce qu'il a touché deux portes, donc 4 secondes de pénalité qui se rajoute à son temps. Et c'est vrai que ça se joue à peu de choses, hein, encore une fois, hein, pour faire un bon franchissement dans une porte, il faut qu'il y ait la tête tout entière avec le menton. Si jamais c'est au niveau de la bouche, c'est 50 secondes de pénalité, donc vraiment, faut vraiment être précis. On va être clair, Sébastien, à 23 ans. Ouais. On essaye de prendre des risques. On est un peu fougueux, on est un peu foufou. Donc on prend des risques. Alors voilà, et puis se dit à la fin, bon. Mathurin est plutôt un bateau assez posé. Hein, il a une navigation assez posée pour un jeune. On n'a pas vu.
Mais effectivement, là, je pense que du coup, il s'est dit, faut que j'essaye un petit peu de me lâcher. Et du coup, bon, voilà, il essaye. C'est aussi comme ça qu'on construit les performances de demain. On monte en puissance. Boris Neveu, alors là, il n'y a plus de jeunesse, moi, presque plus. Je suis méchant avec Boris Neveu. 33 ans, il est de Bagnères de Bigorre. Et Boris Neveu, c'est du lourd de chez lourd. Ouais, Boris Neveu, c'est 10 sélections, 10 ans de suite en équipe de France. Donc, c'est la personne. Un record. Par Tony Estanguet, je crois, en canoë. Sinon, on a rarement eu ça. Donc, c'est vraiment, vraiment un athlète régulier qui sait prendre aussi des risques et être solide à d'autres moments. Là, on le voit un petit peu en difficulté sur cette inversion. Il perd du temps sur ce surf qu'il a eu du mal à attraper. Ouais, tout à fait. Ouais. Il était, en fait, dans son inversion, il a pris du retard et derrière, il a fallu relancer la machine. Et c'est pourquoi il va certainement être un petit peu en retard sur ce deuxième intermédiaire. C'est fou. Il a 33 ans. Et on a l'impression que tous les autres, ils ont passé ça. C'était le passage le plus simple. Et là, hop. Un tout petit décalage avec ce stop. Alors là, par contre, il part vraiment fort. Là. Il sent qu'il a remis là. 78 centièmes d'avance. Ouais. Il avait 43 centièmes d'avance. Il a encore gagné du temps malgré cette impression d'avoir perdu du temps dans ce petit bac. Le bac, on le rappelle, c'est d'aller d'un côté à l'autre. Là, il prend des risques encore. On voit que la pointe avant passe vraiment très proche du rocher. C'est vraiment très serré. Bon, clairement, côté français, on essaye de se rendre coup pour coup et de montrer qu'il va y avoir un patron, que ce sera la guerre. Hein. Ouais, exactement, on sent qu'ils se lâchent tous et voilà. Et Boris nous fait un très joli chrono. Ouais. 94,65, il améliore de presque 2 secondes. 2 secondes, son temps de la demi-finale avec un 0 de pénalité, un parcours parfait. Là, on est dans du très 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 haut niveau. Ouais, on sent que voilà, il donne tout et puis il met la pression sur le petit dernier Quentin Murgis qui avait fait un gros chrono de 95-10 en demi-finale et puis voilà, c'est un petit peu voilà, allez, tiens, regarde ce que je peux faire. Maintenant à toi, le jeune. Va chercher le chrono. Le jeune Quentin Murgis, il a 27 ans, il est de Célestat, il a fait 3e au championnat de France. L'année dernière, donc en 2018, médaillé de bronze. Bon, on avait quasiment le même podium. Hein, C'était les mêmes personnes, effectivement. Ouais. C'est intéressant, justement, parce que l'an dernier, ils sont sélectionnés. C'était un petit peu plus difficile de sélectionner. C'est vraiment joué sur la dernière course. Et là, cette année, on sent qu'ils ont mûri, ces deux jeunes. Et du coup, ils sont là dès le début des sélections. Ouais, on voit Quentin Murgis qui lui aussi a décidé d'y aller. On a des prises de risque. Voilà, il joue avec la mise en chandelle. Hein, la mise en chandelle de l'embarcation, c'est quand vous voyez la pointe se lever très très haut. Et ça, normalement, ça peut vous faire embarquer ou voir toucher une des portes. Et là, ça marche à la perfection. On prend des risques du côté de Quentin Murgis, un petit peu en retard. Au premier intermédiaire encore, ce jeu avec la chandelle, 21 centièmes de retard pour Quentin Murgis. Il prend tous les risques. C'est énorme, ça se joue. Ouais. Allez, là, c'est... On sent qu'ils veulent vraiment, on les voit engager la rotation avant même d'arriver dans la figure. Donc en fait, ils veulent vraiment être extrêmement rapides et il y a une vraie prise de risque dans leur navigation. Et on voit ce surf qui se fait de façon parfaite. Encore un stop, oh, il joue avec la porte. On voit que ça se joue à peu et que ça va vraiment se jouer dans le bas de parcours. Où Boris a été très rapide, hein, faut le dire. Donc on va voir comment Quentin va. 30 centièmes de retard pour Quentin Murgis à l'attaque de ce 22. Ce juge de paix qui est passé plutôt correctement. Est-ce qu'il a gagné du temps sur Boris Neveu? On ne sait pas. On va voir tout de suite. Ça va jouer à quelques centièmes. C'est très très proche. Le sprint final 93-94. 96-09. Il n'a pas battu son temps. Non, il n'a pas battu son temps de demi-finale. À peu près une seconde de retard par rapport à son temps de demi-finale. Mais il est présent à zéro encore une fois. Un parcours sans faute, zéro de pénalité. Il s'est donné, on voit, il grimace. Voilà, il s'est donné à 200% comme Boris Neveu qui s'impose dans cette finale à la dernière de ce championnat de France élite de canoë et de kayak. Boris Neveu qui finit avec un 94,65 qui relègue Quentin Murgis à
1 seconde 44. Alors, est-ce que le titre de champion de France s'est joué avec cette victoire de Boris Neveu? Est-ce que Quentin Burgi qui était... Boris Neveu qui est champion de France. Oui, j'avais la feuille d'avant. On a de la belle navigation là. On a vu qu'ils sont bien tous lâchés. Ils ont pris des repères effectivement pour les championnats d'Europe, essayer de surpasser en finale. Alors c'est toujours difficile hein, parce qu'on l'a vu, Mathurin il l'a essayé aussi et puis c'est sorti. Donc c'est vraiment en continuant à travailler ses prises de risque maximales sur des courses de finale que qu'on engrange de la confiance et que ça devient normal pour eux et voilà. Alors faudrait que j'ai pas vérifié. Est-ce que c'est le même podium que l'année dernière ou il n'y a pas une petite inversion? Je me demande si Boris Neveu a gardé son titre ou pas, faudra qu'on vérifie. Je suis pas sûr. Je me demande si Boris Neveu n'avait pas fini deuxième l'an dernier. Faudrait voir si lui aussi, comme Marie Zélia Lafont, conserve son titre. En tout cas, vous avez qui est parti en avant-avant-dernier. Mathurin Madoré qui termine donc troisième de ce championnat de France. Vous aviez Quentin Burgi qui est parti en avant-dernier. Qui est parti en dernier, qui finit deuxième second. Du championnat de France. Et vous avez Boris Neveu qui est parti en avant-dernier et qui finit lui premier du championnat de France. Si vous avez tout compris, c'est bien. Parce qu'en fait, c'est 1, 2, 3. Donc 1, Boris Neveu, 2, Quentin Burgi et 3, Mathurin Madoré. Mais surtout, vous avez vu que l'équipe de France a relégué l'Espagne à la premier espagnol à la cinquième place avec 3 secondes 51 centièmes d'écart, de retard. Ça veut dire que là, pour les championnats d'Europe, on est pas mal. On est pas mal avec l'équipe de France. Non, et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que Simon Henné a fait une très belle course. Hein. Ce jeune, moins de 23 ans, là, nous fait un beau résultat à 0,96-39. C'est bien. On va attendre les confirmations pour savoir exactement qui de ces athlètes en moins de 23 ans pourront aller faire tout le circuit de moins de 23 ans. Mais c'est plutôt bien. C'est juste sur la dernière course, la dernière manche. Qu'il est parti chercher, je crois que sa meilleure performance de ses sélections. Ouais. Donc c'est très bien pour lui et c'est de bon augure pour la suite. Ouais, on a vu, hein, ça se bat à tous les étages, hein, toutes les catégories d'âge, les moins de 23, les moins de 18 et les seniors évidemment. Alors certes, en senior, vous avez le Graal, hein, le projet c'est Tokyo 2020, mais avec les moins de 18, les moins de 23, vous aurez ceux qui vont se battre pour le projet Paris 2024. Tout à l'heure, on a vu Tony Estanguet qui est passé. Alors, j'ai essayé de courir après, il a disparu, il va beaucoup trop vite pour moi, même sans canoë. Et du coup, Tony Estanguet, il est venu jeter un œil. Toujours présent, toujours là, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il était présent. On va essayer, hein, si jamais il repasse dans l'après-midi, de l'avoir en interview. C'est jamais facile. Et Tony Estanguet, il est pris, il est occupé, il est toujours occupé. Mais on l'a vu venir jeter un œil. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il reste en contact avec sa discipline, le canoë-kayak. Et il apprécie venir voir ces jeunes, cette ambiance qu'on peut avoir pendant ces sélections équipe de France qui est vraiment spécifique et qu'il a bien connu pendant un paquet d'années. Ouais, puis il met un peu la pression quand même parce qu'il y a une tradition dans le canoë français. Il viendra aux Europes. Il va juste venir faire un petit tour au championnat du monde peut-être aussi pour dire rappelez-vous. Hein. Ouais. On a tous été champions du monde, champions olympiques. Hein. Tony Estanguet qui avait remis la médaille à Denis Gargochanu en 2016 aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment un moment d'histoire pour le canoë kayak français, ce genre d'échange. Ouais, c'est énorme parce que bon, quand vous avez monsieur champion olympique de votre discipline, trois fois un champion olympique, hein, c'était le premier français, Tony Estanguet, à gagner trois médailles d'or aux Jeux Olympiques. Alors oui, pas trois consécutives, on va lui dire ça peut-être, mais ce serait vraiment n'importe quoi parce que trois médailles d'or aux Jeux Olympiques,
c'est énorme. Le seul qui pouvait faire ça, c'était qu'on aurait pu égaler Tony Estanguet, c'était Julien Absalon, le Vosgien en VTT, et il n'a pas réussi à le faire. Hein. Pourtant, Julien Absalon, c'est the monsieur VTT de la planète. Hein. C'est, il a gagné Coupe du Monde, Jeux Olympiques deux fois, donc il a gagné titre de champion du monde de junior à senior. Eh bien, il n'a pas réussi à égaler l'exploit de Tony Estanguet d'être trois fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Alors après, l'émotion et puis la lutte franco-française, puisqu'on avait relégué les Espagnols à 3 secondes, hein, eh bien, c'est au tour de l'épreuve à suspense, je dirais, Sébastien. C'est ça. Parce que là, clairement, il reste une place pour se qualifier pour le projet Euro Mondiaux JO. Ouais, effectivement, c'est une le suspense est vraiment jusqu'au bout en canoë dames cette année, et donc on va voir le challenge, la compétition entre principalement Claire Jacquet et Margot Henry pour aller chercher cette dernière sélection. Ouais. Alors donc vous avez trouvé la formation donc. L'année dernière, donc c'était bien, c'est une inversion. L'inversion, c'était pas le champion de France en titre. Boris Neveu conserve bien son titre de champion de France, mais c'était Mathurin Madoré qui était second, Quentin Burgi qui était troisième. En gros, on a les trois qui se matchent pour le podium français et qui finalement vont réussir à se qualifier pour les championnats d'Europe, les championnats du monde et le projet Tokyo 2020. On n'arrête pas d'en parler. Mais c'est tellement énorme des Jeux Olympiques, et puis c'est tellement l'étape avant Paris 2024, les Jeux Olympiques en France, que c'est important de ne pas l'oublier. Alors qu'on voit le départ de Tiffen Dubok, qui s'était lancé, qui s'est classé 10e, donc dernière qualifiée pour cette finale A de canoë dames. Et Tiffen, qui est de Montreuil et qui a fait signer un 143,67, mais avec 10 secondes de pénalité lors de la demi-finale, ce qui est quand même un sacré exploit. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est une bonne manche. C'est une bonne manche et puis pas mal de pénalités. On va voir. Enfin, on voit que justement en première manche, les filles n'ont pas fait de passage à zéro de pénalité. Aucune fille n'a touché. Enfin, n'a pas touché plutôt. Et je pense que sur cette finale, ça sera vraiment le challenge et c'est ce qui permettra de remporter cette victoire sur cette finale. Alors, elle a décidé de faire une inversion sur l'avant-dernière porte avant de se lancer dans le sprint final. Et on le voit, évidemment, elle signe un 133,03, c'est-à-dire 64 centièmes de mieux qu'à demi-finale, sans pénalité. Forcément, ouais, ça va tout de suite mieux. Ouais, tout de suite mieux. Et puis, ça commence bien parce qu'on en parlait à l'instant. Il faut passer à zéro de pénalité sur cette finale. Et voilà, la première candidate le fait. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment super et elle met le temps peut être amélioré, mais effectivement déjà un temps comme ça à zéro, c'est plutôt une bonne paire. Ouais, puisque le meilleur temps de la demi-finale, 124,05 par Nouria Villa Rubla, c'est clairement 9 secondes, presque 9 secondes de mieux, mais on va voir hein, puisque c'est piégeux et puis on est quand même un petit peu fatigué, on vient d'enchaîner quasiment, c'est la quatrième finale hein, de ces sélections, donc les organismes commencent à peiner. D'ailleurs, la première espagnole, elle est quand même à 78 centièmes de Tiffen Dubok. Ouais. Donc, et puis on voit qu'elle est, elle est en difficulté ouais, pour ce passage à la 10. Hein, elle est très très large parce qu'elle n'était pas du tout, elle l'a complètement contournée. Voilà, au point de vue chronomètre. Ouais, effectivement, elle a fait un petit peu le tour de la porte. On sent que c'est un petit peu dur pour elle. Tous ces remous, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Hein. On a vu plusieurs Espagnols aller à la faute. Mais pour l'instant, elle est à zéro, donc c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Il y a une vraie amélioration au niveau des touches pour l'instant. C'est fini. À la 15e, une touche. À chaque fois qu'on le dit, bon, après, moi je fais attention parce que hier, je me suis fait piéger par une Espagnole que je voyais, mais l'AIA. Ouais, effectivement. Que je voyais en retard et puis finalement qui a battu tout le monde dans les 3-4 dernières portes. Alors voilà la preuve, 10 centièmes d'avance. Donc maintenant, je faut rester humble. Prudent, humble, le sport.
rien n'est jamais fini avant le passage de la dernière porte, vous l'avez dit, voire, ouais. voire de la cellule d'arrivée. Toujours est-il que malgré cette touche à la 15e, au deuxième intermédiaire, l'Espagnol compte 10 centièmes d'avance sur Tiffen Dubois. Donc c'est vous dire si parfois les impressions sont trompeuses, même avec 15 caméras et un écran de contrôle qui nous montre que c'est plutôt bien 128. Pourtant, on voit qu'elle va être vraiment juste en avance. 32.30. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression sur ce sprint final avec le passage dans les rouleaux qu'elle est à la peine et pourtant elle est quand même assez efficace pour terminer avec 73 centièmes d'avance. Ouais, effectivement, c'est parfois un peu surprenant. Alors normalement, effectivement, quand on voit une athlète qui tape, enfin où son bateau tape contre les vagues, c'est plutôt des passages un petit peu lents. On est plutôt dans un esprit où quand c'est fluide, le bateau va plus vite et c'est plutôt ce que recherchent les athlètes. Margot Henry, on vous parlait de la lutte pour le dernier ticket pour la qualification pour l'équipe de France senior. Et bien voilà, on y est dedans, on y est. Ouais. Là, Margot Henry, elle veut décrocher sa qualification pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Margot, elle a fait 8 secondes de pénalité lors des demi-finales. Là, pour l'instant, elle est à 0 et ça paye au chronomètre 1 seconde 25 d'avance sur l'Espagnol. Il faut que clairement que Margot ne commette pas d'impair pour pouvoir jouer la sélection. On n'est pas dans le titre de champion de France, on est pour la sélection de l'équipe. Effectivement, de France. Ouais, ça va être vraiment la bataille avec Claire Jacquet. Et, il faut que Margot nous fasse une très belle manche. Pour l'instant, c'était plutôt un joli haut de parcours. On va voir comment elle se débrouille sur la partie basse. Là, elle est un petit peu en difficulté sur la porte 12-13. Et on a vu, hein, c'est toujours sur la partie basse que les difficultés sont rassemblées, avec plus de dénivelé, plus de rouleaux, des portes vraiment décalées énormément les unes des autres. Et c'est là, en plus avec la fatigue, qu'il faut qu'elle réussisse à rester lucide. Une inversion qui a été un petit peu difficile sur la porte verte. 8 secondes 16 d'avance pour Margot Henry qui va mettre une pression de folie sur Claire Jacquet dans Serville-Bar-le-Duc. En tout cas, Margot, elle fait le taf, elle fait le job pour essayer de décrocher cette qualification avec la 22 qu'elle passe de façon excellente. Margot Henry, un enchaînement avec la 23. La verte, il faut enchaîner une inversion pour se remettre dans le sens. Elle déborde, hein, Margot. Elle change, non, elle part, c'est toujours à gauche. Elle pousse. 123.39, 8 secondes 91. Le point rageur, elle tape sur l'eau, Margot Henry, parce qu'elle sait qu'avec cette première place provisoire lors de cette finale A de canoë. Dame, Margot Henry, elle a tapé très très fort pour sélectionner en équipe de France. Elle a fait le job, Margot, en tout cas, elle ne pourra pas s'en vouloir. Elle a fait tout simplement le meilleur temps de la course en canoë dame. Donc c'est voilà, c'est fait. C'est fait. Et donc on va voir comment va réagir Claire Jacquet, hein, qui doit être vraiment dans les trois pour essayer de se sélectionner, de conserver son ticket, elle qui a plutôt l'avantage à l'issue des courses d'avant. Donc voilà, Margot, en tout cas, elle a fait le job. Elle est passée à zéro. Hein. On disait que c'était important, elle l'a fait. Et puis en plus, elle est vraiment plus rapide. Très rapide. 120, elle a presque une seconde, à peine une seconde d'avance sur le meilleur temps de la demi-finale, qui avait eu 4 secondes de pénalité. Mais quand même... Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout pas cas, elle pourra pas s'en vouloir. On voit, c'est le champion du monde qui parle là, parce que là, c'est du haut niveau. Moi, je dis c'est extraordinaire. C'est pas mal. Non, c'est super pour Margot. C'est super. Et elle a fait le job, pas de pénalité, un temps rapide. Elle met clairement la pression sur Claire Jacquet qui va passer en avant-dernière. Donc, Claire Jacquet. Elle va avoir l'information, même si on veut rentrer dans sa bulle, il faut absolument pas, comme on dit, gamberger. Il faut enlever toutes les pensées parasites, alors que ça se passe pas très bien pour Fanchon Janssen avec déjà 6 secondes de pénalité. Elle sera loin, hein, 7 secondes 83 au premier intermédiaire. Fanchon, elle sera très très loin, la sociétaire du club de Golbey Épinal, la Golbeo Spinalienne Vosgienne, qui a un petit peu de mal sur cette finale. D'aujourd'hui en canoë. Ah oui, elle est sortie du projet, ouais, là, complètement clairement. Sortie du projet, ouais, elle voit que s'est fait embarquer. C'est vraiment dur. Et elle a fait un 50, elle rate cette porte 2,50, elle a 17 et la 19.
Ah, elle finit tranquillement. Elle a vu que c'était complètement fini. Voilà, je sais pas si elle a voulu prendre énormément de risques, mais ça n'a pas payé sur cette finale. Ouais, il y a des jours où ça veut pas. C'était un jour 100 pour Fanchon, qu'on a vu plutôt pas mal sur la première journée. Mais là, 150.83 avec un 274.22. Bon, on a vu clairement qu'elle avait lâché, laissé aller en disant ouais, bon, voilà, là, fait, ouais. Ça sert à rien de prendre des risques. Ce qui est intéressant par rapport à Margot Henry, c'est que voilà, dans le sport de haut niveau, on dit souvent bon, bah, on a beaucoup d'athlètes performants, etc. C'est une chose d'être bon. C'en est une autre de répondre le bonjour au bon moment. Et là, Margot, elle a fait le job et c'est vrai que ça c'est très bien. Margot qui est habituée aussi hein, à ces jours, ces grosses journées, qui avait performé en 2017, alors cette fois-ci en C2 mixte avec Yves Prigent, et qui avait gagné tout simplement la médaille d'or sur ces championnats du monde et en 2017 à Pau. Elle avait, parce qu'elle a 21 ans, elle avait 19 ans. Parce que là, on parle quand même d'une jeune athlète qui a 21 ans. On a l'impression que c'est une vieille briscard. Hein. Tout à l'heure, on a eu Marie Zédia à la fond. Marie Zédia, c'est déjà beaucoup plus d'expérience. Ouais, c'est la trentaine. C'est 32 ans, 32 effectivement. Ans. Je ne voulais pas donner son âge. 32 ans, mais comme je me suis trompé avec Lucie hier en lui donnant 23 au lieu de 25, elle a 32 ans. On voit qu'il voilà, y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. On est calme, on profite, mais on est calme. Mmh. Là, on parle d'une athlète, Margot, qui a 21 ans. Ouais, c'est une éclosion qui est quand même très précoce dans le monde du canoë kayak. Et 8 ans, 15 ans. Ouais, c'est vrai qu'on dans le canoë kayak, c'est vrai qu'on a on a un peu tous les profils. Hein. On peut avoir des jeunes qui perfent dès le plus jeune âge, des personnes pour qui c'est un petit peu plus long, qui ont besoin de mûrir avant de perfer. Donc c'est vraiment variable. Et là, c'est vrai que c'est plutôt de bon augure hein, pour Margot. On va voir comment ça va se passer pour les prochaines candidates. Et la Brigazzi, à présent, qui est en lice du club de kayak d'Angers-Rien, elle a signé à 135.40 lors de la demi-finale avec 4 secondes de pénalité. Et la Brigazzi... Et là, elle essaye de voilà vraiment de 22 ans. De jouer. Ouais, voilà, elle a moins de 23 ans. Elle essaye d'aller attraper la sélection moins de 23 ans hein, qui se joue à pas grand chose. Pour l'instant, elle est quatrième en moins de 23. Donc c'est au classement général de ces sélections. Donc voilà, ça se joue aujourd'hui et il faut essayer de donner le maximum. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien puisqu'elle est qu'à une seconde du temps de Margot Henry au premier intermédiaire. Elle a un petit peu perdu de temps. 2 secondes 86, mais elle est toujours sans pénalité avant d'attaquer le sprint final. Un haut parcours ouais, qui s'est bien passé. Un petit peu parcours. Ce qui est intéressant, c'est là aussi qu'elle passe à zéro. Donc, toutes ces filles se sont dit bon, en demi-finale, on se permet de toucher. Par contre, en finale, elles ont bien compris que il fallait vraiment passer à zéro. Et c'est ce qu'elles font. Et là, elle prend la deuxième position provisoire de cette finale A quand même. Et c'est là où on voit quand même que Margot Henry l'a tapé très très fort. 6 secondes, sans pénalité, 6 secondes derrière Margot Henry. Autant dire qu'elle a fait quand même, Margot, elle a vraiment mis la barre très très haute. Ouais, clairement, ouais, parce qu'en plus, et là, elle améliore son temps de passage de manière sensible de demi-finale, avec plus de 2 secondes d'avance sans parler des pénalités. Donc c'est vraiment, c'est plutôt une bonne finale pour elle. Et on voit que vraiment elle cherche à améliorer. Ouais. Clara Olazabal, donc une nouvelle espagnole dans cette finale A, la deuxième à s'élancer. Clara Olazabal, elle a fait 134.6 avec 6 secondes de pénalité lors de la première manche. On va voir ce que cela va donner dans la finale A avec déjà 2 secondes de pénalité après 2 portes et un 2 secondes 42 finalement. Ces 2 secondes de pénalité lui coûtent cher puisque sinon elle serait qu'à 42 centièmes de Margot Henry. Elle serait dans le match. Mais là, ça va être un petit peu compliqué pour Clara Olazabal. On va voir si... Alors que on peut vous dire qu'il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Alors, le vent se lève. Est-ce que ça peut changer? Voilà, 2 secondes supplémentaires, on va avoir 4 secondes au passage de la 15. Ouais, effectivement, le temps joue beaucoup sur l'état d'esprit et la manière d'aborder les courses. Donc en fait, ce qui est vraiment important, autant la pluie ne joue pas vraiment, on est dans l'eau, on est mouillé, c'est pas forcément dérangeant, autant le vent a un réel impact parce que les portes, les piquets bougent même s'ils sont lestés,
C'est vrai que c'est pas évident. Alors bon, l'organisation le prend en compte, et si vraiment il y a des conditions atmosphériques compliquées, parfois des passages sont recourus si nécessaire, ce qui n'est pas facile là aussi pour les athlètes, parce que pareil, ils ont fait une manche, elle était bonne, mais s'il y a eu beaucoup de vent, et bien parfois tout le monde recourt, donc c'est pas forcément évident à gérer. Clara Olazabal, elle aimerait bien recourir, je pense, la manche, puisque 2, 4, 6, 8 secondes, pas comme en demi-finale, puisqu'elle avait fait que 6, elle fait 2 secondes supplémentaires de pénalité sur cette finale A, ce qui veut dire que là, elle va être loin, très très loin, 11 secondes 09, 134.48 pour Clara Olazabal. Ça a été très très compliqué, alors que va s'élancer Marjorie de la SU. Elle va s'élancer juste avant Dorian. Ouais. Là on a la famille. Alors Marjorie c'est la plus grande. Voilà. Alors c'est une famille, une grande famille dans le canoë kayak. C'est trois filles et un garçon. Donc Marjorie c'est la plus grande, c'est la plus âgée. 20 ans. 20 très, ans. Très grande. Ouais, très très grande. Et donc Marjorie elle court en kayak et en canoë. Alors Marjorie elle est plutôt bien placée pour se sélectionner dans les deux catégories en moins de 23 ans et donc là elle part juste avant sa sœur Dorian la plus jeune des frangines qui a déjà bien performé au niveau international hein, parce qu'elle a remporté et en canoë et en kayak elle aussi mais les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en novembre 2018, donc c'est vraiment une famille performante. On a vu en finale, juste avant, le petit frère Anatole. Anatole, 17 ans, qui a bien perfé, qui était en tout cas en finale A, et ça c'était super. Bon, la course n'était pas forcément la meilleure de sa carrière, mais en tout cas, on voit que c'est une famille bien branché kayak. Voir une fratrie peut-être aux Jeux Olympiques, ça arrive pas tous les jours, ce serait exceptionnel. Ça serait exceptionnel, ouais. Mais bon, c'est tout ce qu'on leur souhaite pour les années à venir. Ce sera pas pour Tokyo, mais qui sait, pour Paris 2024, ce sera une aventure exceptionnelle. Ça peut faire le buzz, comme on dit maintenant chez les jeunes. Effectivement, ouais. Parce qu'il y a toute une famille. En tout cas, voilà, attention pour... On voit que Marjorie, elle était en avance au deuxième sectoriel, malgré sa touche en début de parcours. Là, elle s'est fait un petit peu bloquer quand même dans le rouleau de la 19-20. On va voir ce que ça va donner sur ce bas de parcours pour aller chercher le chrono de Margot Henry. Alors on ne sait pas si c'est toute la fratrie et toute la famille qui encourage. En tout cas, 3 secondes 26 centièmes d'avance, elle prend la tête de cette finale A. Marjorie, elle a fait malgré 2 secondes de pénalité, elle a réussi à battre le temps de Margot Henry, ouais. Alors que Margot Henry avait fait un temps canon, 0 de péna. Eh bien là, elle a tapé fort. Là, c'est là où on voit que chez les jeunes, alors on parle de la lutte entre les grands, mais chez les jeunes, ça se tire. Une bourre, comme on dit. Alors on va parler un petit peu crûment, mais il y a une compétition. Ouais, c'est vrai que c'est beau de voir ça. Et puis on voit aussi sa joie en bas de parcours. Contente d'elle, quoi, vraiment, contente d'elle, elle a fait ce qu'elle voulait et ça c'est presque le plus important. Bon alors, Marjorie, c'est fait. Place à Dorian qui va forcément matcher et qui va avoir à cœur de montrer que donc la plus jeune hein, ouais. va essayer de battre la plus grande. Dorian, c'est 16 ans. Hein. Ouais, Dorian, elle est jeune. Hein, c'est la plus jeune. Hein, et puis elle s'en sort plutôt pas mal hein, pour l'instant. Elle est légèrement en retard au chrono intermédiaire du premier secteur. On voit qu'elle choisit une option différente de toutes les autres. Là, à la 9, elle prend le temps de tourner avant la porte de manière à vraiment être sûre de passer la 10 correctement. Elle fait toutes la 9, la 10 en inversion. En inversion, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. On sent que c'est plutôt un passage assuré. Mais après, elle est plutôt bien dans ses portes et c'est plutôt pas mal. Le respect vis-à-vis de l'ancienne. Ouais, je sais pas si c'est ça ou non, c'est aussi la lucidité de se dire voilà, il vaut mieux que je la passe comme ça, au moins je serais sûr de faire un bon passage. Oh, attention, elle a failli dessaler Dorian, elle s'est rattrapée in extremis. Là il y a de la lucidité par contre, parce que pour se dire hop, décidément, oh là là, je lui ai porté la poisse.
Elle avait réussi à se rattraper in extremis sur la porte d'avant et là, dessaler, hein, ça veut dire se retrouver ni plus ni moins la tête sous l'eau et il faut esquimoter, c'est-à-dire réussir à remonter hors de l'eau avec son embarcation. Alors ce sont les fondamentaux, on apprend ça dès l'école. Ouais, dans certains pays, ils apprennent à esquimoter avant de pagayer, donc c'est vraiment essentiel. Effectivement, c'est pas facile, hein, la porte 17, de tomber, remonter, c'est rude. Là, on voit que du coup, elle a perdu beaucoup de temps et d'énergie dans cet esquimotage et ce tour qu'elle a dû faire pour reprendre la porte. Donc là, elle finit tant bien que mal la course avec une petite touchette à la 20 aussi. On lui a rajouté une touche à la 2 qu'on n'avait pas vu au départ. Ouais. Donc elle a 4 secondes de pénalité. 142.33, 22-20. Et juste un détail dont on n'a pas parlé depuis le début, mais l'eau, elle est gelée. Ouais, l'eau n'est pas super chaude. Hein. On est en mai maintenant, mais effectivement, l'eau, c'est la fonte des neiges. Hein. Pau est au piémont vraiment des Pyrénées. Et effectivement, on a une eau qui est aux alentours des 10 degrés, 10-11 degrés. C'est vrai que c'est un peu frais. En plus, aujourd'hui, le soleil n'est pas forcément de la partie. Donc voilà. C'est parti pour s'échauffer. C'est parti pour Claire Jacquet. Je vous rappelle, la lutte, elle existe entre Claire Jacquet et Margot Henry. Claire Jacquet, elle doit faire mieux que Margot Henry pour pouvoir se qualifier pour les championnats du monde, les championnats d'Europe et peut-être jouer une place pour les Jeux Olympiques de Tokyo, alors que elle est Claire Jacquet avec une seconde 27 d'avance sur le meilleur temps, celui de Marjorie Delassus. Mais ce qui compte surtout, c'est de voir le chrono par rapport à Margot Henry. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec la 11 qui est effacée en contre-courant. Un stop qui est bien négocié. On enchaîne avec la 12 pour l'instant sans problème. Un petit peu compliqué ce bac pour passer à la 13. On voit qu'elle elle a le bateau un petit peu. Repère, c'est de voir que la pointe arrière suit la pointe avant. Donc là, on voit au contraire qu'elle fait pas mal de dérapages. Et souvent, c'est signe de perte de vitesse. Elle nous fait une belle esquive sur la 16. Là. Esquive de corps magnifique parce qu'elle était vraiment mal engagée. Hein. Claire Jacquet, elle a réussi à s'arracher pour aller faire cette esquive de corps. Elle a toujours 2 secondes 21 d'avance au deuxième intermédiaire alors qu'elle pêche un petit peu. Elle s'est fait brasser dans le courant. Est-ce qu'elle va réussir à passer cette 19 très particulière. On appelle ça un boogie. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent. Elle a fait une... Elle est passée à gauche de la porte, entre la berge et la porte, et puis ensuite elle a remonté la figure. Elle a pris quand même 2 secondes de pénalité, Claire Jacquet avec ce stop à la 22. Elle va s'élancer dans le sprint final, ça va jouer à pas grand chose, 115, 117, attention au temps de Margot Henry, alors qu'on sent qu'elle est fatiguée, elle va être obligée de s'arracher complètement, 123, 125. 127.15 à la... Elle est troisième. Troisième, juste derrière Margot Henry qui avait signé un 0. Alors là, moi je demande l'avis du jury de la Fédération Française de Canoë-Kayak pour départager les deux athlètes. Alors là, ça va pas être facile de savoir. Effectivement, il va falloir attendre les derniers calculs de la Fédération pour savoir si Margot a fait suffisamment le job pour au niveau du classement général des sélections passer devant Claire Jacquet. Parce qu'il faut le rappeler, hein, avant cette manche, Claire était 3e, Margot 4e. Donc là, on inverse. Donc les points vont-ils être suffisants pour que Claire Jacquet reste qualifiée pour la sélection ou est-ce que ça va permettre à Margot Henry de passer juste devant et de coiffer la sociétaire d'Ancerville-Bar-le-Duc juste devant? Attention, attention. Oh là 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 là. Alors là, moi j'ai les calculs du double champion du monde qui me dit, je peux le dire ou pas Sébastien? Ouais, normalement ça devrait pas trop bouger, ouais. Alors, normalement, selon les calculs que viennent de faire Sébastien Combeau, double champion du monde de kayak, ce serait Claire Jacquet, la sociétaire d'Ancerville-Bar-le-Duc, qui se qualifierait pour un mouchoir de poche. Hein. Ouais, pour vraiment pas grand-chose. Ouais, c'est pas forcément facile. Hein. Il faut savoir que sur chaque course, chaque athlète marque un certain nombre de points. C'est ça qui nous permet ensuite de faire un classement. Course 1, des points pour une course 1. Course 2, des points à nouveau. Course 3 aussi. Course 4.
On a 4 courses, donc 4 points. On prend les 3 meilleurs résultats de chacun des athlètes. Ça fait une somme de points. Et ensuite, c'est la personne, enfin les 3 athlètes qui ont le moins de points qui sont tout simplement en équipe de France. Et là, sur mes petits calculs d'apothicaire qui sont complètement officieux pour l'instant, Claire est en tête par rapport à Margot. Et a vraiment pas grand chose, donc on attend que ça se confirme au niveau de la fédération. Et puis ne serait-ce que par respect pour les athlètes, nous ne sommes pas de la DTN, nous ne sommes pas les sélectionneurs de l'équipe de France. Il y a des professionnels pour ça. Bon, je vous fais quand même confiance. Ça s'est révélé exact hier. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas pareil aujourd'hui. Mais là, ça joue vraiment à pas grand-chose. Alors qu'on a vu le passage de Nuria Villa-Rublet qui avait fait le meilleur temps en 124.05 lors de la demi-finale et qui, cette fois, a fait un 2 de pénalité. On était dans nos calculs et finit quand même à 7.06 de Marjorie Delassus qui a fait quand même le super temps. Un temps énorme je vous le rappelle, 2 secondes de pénalité. Ouais, c'est super. Hein. Bon, on l'a vu, elle était super contente, Marjorie Delassus. Question Sébastien, quand même, on voit le panneau. Le fait que Nuria Villarubla est à la 3e place, qu'est-ce que ça peut changer par rapport au mode de calcul pour l'équipe de France ? Non, pas effectivement, les deux pays ont essayé de faire les compétitions ensemble. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est calcul totaux pour les équipes nationales de chaque côté, c'est vraiment, on ne prend pas en compte les Espagnols pour les Français et inversement. Ouais, donc c'est donc pour le championnat de France, Claire Jacquet et Margot Henry ont finalement leur position, celle qu'on avait avant le passage de Villa Nuralubia. Donc on aura en fait Lucie Baudu qui sera championne de France. Qu'on a reçu hier après à qui j'ai donné 2 ans de moins. Mais on aura Lucie Priou qui sera deuxième et Claire Jacquet qui prendra la 3e place. La 3e place des championnats de France et Margot Henry qui va finir 4e au pied du podium et au pied de la sélection. Alors Margot, elle est quand même moins de 23 ans et effectivement là avec cette course, elle vient de confirmer sa sélection pour l'équipe de France moins de 23 ans. Donc c'est quand même une bonne chose pour elle. Mais bon, c'est vrai que à quelques centièmes de seconde près, parfois, eh bien, on peut obtenir une sélection chez les seniors. Et bon, voilà, tout l'enjeu est là, toute l'aventure est là. C'est vraiment ça qui excite ces athlètes à vraiment vouloir aller chercher les meilleures places. Et voilà, c'est vraiment le challenge. Ouais, puis à 20 ans, une vingtaine d'années, se dire qu'on peut aller jouer des Jeux Olympiques, hein, une qualification pour des Jeux Olympiques un an après, un an et demi après, forcément, ça fait rêver. Hein. C'est le but, c'est l'objectif de tout sportif de haut niveau, un jour de disputer la compétition. Parce que vous qui avez été champion du monde et qui avez disputé les Jeux Olympiques, il y a les champions du monde. C'est extraordinaire d'être champion du monde de sa catégorie, de sa discipline. Faut pas être blasé ou autre, mais il y a championnat du monde et il y a les Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. Les championnats du monde, c'est vraiment l'aboutissement du milieu fédéral, donc avec vraiment 3 athlètes par pays, donc beaucoup de monde au départ, vraiment une grosse densité. Donc quand on est champion du monde, on est vraiment sur le toit du canoë-kayak. Et après, les Jeux Olympiques, c'est encore un autre cadre. C'est vraiment le fait d'avoir déjà tous les sports olympiques qui vont disputer les Jeux Olympiques au même moment sur 15 jours avec un mélange des genres qui se fait dans le village olympique. On peut croiser tout un tas d'athlètes d'autres sports. Dans le restaurant olympique, on peut voir des étrangers de taekwondo ou autre. Et on peut croiser des basketteurs américains, Kobe Bryant à l'époque. On peut croiser un Usain Bolt à l'époque. C'est aussi ça la beauté des Jeux Olympiques, parce qu'on retrouve des gens que, comme tout fan de sport, on regarde à la télé. Et on peut les côtoyer et leur parler, c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'est un monde à part, c'est les Jeux Olympiques. Et moi, je me souviens bien de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est vraiment quelque chose de particulier et inimitable. Avant d'enchaîner, parce qu'on va avoir la finale B de kayak homme. Alors forcément, là, on va dire qu'il n'y a plus d'enjeu. Mais non, c'est pas vrai.
et non, 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 et du que tout, non. Ouais. Et du tout. De l'enjeu, il y en a encore. Pourquoi ? Parce que on vient d'en parler. Il y a les sélections pour l'équipe de France à élite. Et puis il y a pour les moins de 23, les moins de 18. D'ailleurs, Sébastien, il y a bien un titre décerné de champion de France pour toutes les catégories d'âge, du coup. Ou pas ? Parce que le moins de 23 qui gagne sa catégorie d'âge, est-ce qu'il est déclaré ? C'est une question que je me posais en fait. Tout à l'heure j'ai rencontré le président de la Fédération française et honnêtement j'ai oublié de lui poser la question. Est-ce que vous êtes finalement quand même champion de France junior, champion de France moins de 23 ans ? Alors en fait ici on est sur les sélections le championnat de France élite. D'accord. On est en fait sur du scratch. Et du coup, okay. Là, c'est vraiment le champion de France élite qui va... Enfin, les trois premiers plutôt qui vont être récompensés. Ouais. D'accord. Et ensuite, on a un championnat... Alors du coup, les jeunes sont invités sur cette compétition en vue de se sélectionner pour l'équipe de France parce que tout se fait au même moment. Et ensuite, souvent à l'été, en juillet, on a... Il y a un autre championnat de France avec les jeunes. D'accord. Pour les jeunes, oui, ouais. C'est cadets, juniors et seniors. Et seniors. Alors que donc dans cette finale B... de kayak homme s'élance en premier donc un espagnol, il y a beaucoup d'espagnols sur cette finale B, 1, 2, 3, 4 espagnols, la moitié, un peu moins de la moitié, avec Manuel Ochoa qu'on n'a pas vraiment vu depuis le début de ces phases finales à Pau, un espagnol peut en cacher un autre finalement. Ouais, effectivement, c'est la relève espagnole qu'on voit là. Ça va être intéressant de voir ce qu'il fait. Je pense qu'il est, il n'est pas forcément en lice pour aller chercher la sélection, en tout cas chez les seniors. Mais par contre, sur cette finale, on va voir Samuel Hernans, qui est quand même lui, par contre, parti pour se sélectionner pour cette équipe espagnole et qui aura à cœur d'aller chercher la première place de cette finale B pour pouvoir retrouver ses compatriotes qu'on a vus en finale A juste avant. Oui, parce qu'il faut le rappeler, en finale A, finalement, il n'y avait que David Llorente. Donc, et il y en avait... et Joan Crespo. Et Joan Crespo, pour la finale A. Oui, Crespo qui était parti en premier. Donc il y avait donc deux Espagnols. Il manque un ticket. Exactement. Il manque un ticket. Ouais, il manque la troisième place. Ça se passe pas super pour l'instant pour Manuel Ochoa, mais vous l'avez dit, il va pas jouer la sélection. Il a déjà 4 secondes de pénalité avec une touche à la 16, une touche à la 22. Et donc tout l'enjeu pour les autres Espagnols qui vont passer un tout petit peu plus tard. Clairement, c'est d'essayer de gagner le dernier ticket pour les championnats d'Europe et les championnats du monde qui vont se dérouler chez eux. Chez eux en plus, ouais, tout à fait. Donc là, ouais, clairement pour Samuel, c'est l'objectif, c'est d'aller rejoindre le trio. David Llorente et Joan Crespo sont plutôt bien partis pour gagner leur sélection. Et ensuite, la course se fait sur deux jeunes, mais qu'on ne retrouve pas en finale B aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas sélectionnés. Miguel Travé et Pao Echavi. Donc c'est vraiment les deux athlètes qui avaient été très performants sur CO de Urgel sur la première partie des sélections et qu'on n'a pas trop vu sur Pau. Et à l'inverse, Samuel Hernans n'a pas été très présent sur les sélections en Espagne et là du coup essaye de se rattraper sur les sélections à Pau. Miguel Travé il a signé le 26e temps des demi-finales hein, dans cette discipline en kayak, alors qu'on l'annonce hein, comme la future perle du canoë et du kayak espagnol. Il est champion d'Europe des moins de 23 dans les deux disciplines. Et Miguel Travé, lui, il est passé à travers aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On a vu qu'il a pas forcément été au rendez-vous aujourd'hui. Et tout comme Pao Echanis, pardon, qui lui aussi hein, termine 53e des demi-finales. Donc effectivement, ils ont craqué un petit peu ce matin et c'est un petit peu dommage pour leur sélection. Eh ben, ils joueront la sélection peut-être sur tapis vert ou entre eux, puisque non, mais ça va être au meilleur classement quand même par rapport aux trois premières manches. Il faut voir le classement général, voilà. Effectivement. Ouais. Et puis alors, il faut savoir que aussi bien Mikel Travé que Pao Echanis sont deux jeunes, voire très jeunes. Donc ils peuvent faire les moins de 23. Effectivement. Ouais.
tout à fait. Et quand en Espagne, on a un jeune qui gagne le titre en moins de 23 à l'euro en canoë et en kayak, on peut peut-être avoir envie de le relancer en moins de 23 avant de et puis voir qu'il fasse les 4. Mais effectivement, ça va être compliqué. Alors qu'on a vu le passage d'Hugo Régnier qui va marquer le temps de référence. Hugo Régnier de Rennes, hein, c'est un Rennais, qui avait fait 103,35 en demi-finale et qui signe un très beau 98,45, c'est-à-dire à peine 3 secondes du meilleur temps. Bien mieux que sa demi-finale. Hein, bien mieux que sa demi-finale aussi, hein, où il était en 103,35, donc 5 secondes. C'est plutôt très bien, je pense qu'il doit être content. Après, en plus, on a vu que 3 secondes du meilleur temps, donc c'est plutôt très bien. Ouais, il est monté en puissance. Alors Hugo Régnier, on peut le dire, il y a eu des hauts et des bas. Il a surfé un petit peu. Exactement. Sur la vague et descendu. Il manque encore un petit peu de cette constance qui permet d'être très très bon et de se qualifier au plus haut niveau sur les 4 manches, les 4 finales ou les 4 étapes du championnat de France en Espagne et en France à Pau, avant les championnats d'Europe qui se dérouleront également à Pau et qui seront à suivre sur Noah. C'est au tour d'Edgar Prigent, un palois qui s'entraîne ici. Edgar Prigent qui a signé le 18e temps des demi-finales. Lui aussi, hein, il fait partie d'une famille. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ni plus ni moins que le cousin de Camille Prigent qu'on a vu sélectionner hier, extrémiste, prenant le troisième ticket pour l'équipe de France senior. Et c'est aussi le cousin de Yves Prigent qui était en finale A tout à l'heure, qui n'a pas forcément réussi son parcours. C'est donc une histoire de famille. Et Edgar est plutôt bien parti, hein, légèrement en avance au premier sectoriel. On le voit plutôt à l'attaque. Et c'est plutôt une bonne manche qu'il nous propose pour l'instant. 103,02 en demi-finale avec 4 secondes de pénalité. On va voir si Edgar Prigent va faire mieux que sa demi-finale et peut-être prendre la tête du classement général, la 17, avec ce stop remonté de courant qui se passe plutôt bien. Il était un petit peu en retard, Edgar Prigent, à l'intermédiaire. Vous avez vu le rouge allumé. Et vous entendez le speaker officiel. Allez Edgar pour cette 22, le juge de paix dont on vous a parlé depuis hier. Et il s'attaque au sprint final. Edgar Prigent, 99 à 100,6. Il prend la deuxième place. Mieux que sa demi-finale avec la deuxième place. 103,2 en demi-finale. 100,06 avec un zéro de pénalité. C'est plutôt pas mal, hein, ce qu'il nous a fait Edgar Prigent. Ce qui va être intéressant là sur cette finale B, ça va être vraiment la compétition, à l'intérieur de la compétition, entre Thomas Durand, qui va s'élancer dans deux dossards, et Malo Kemener, donc un Breton, qui tous deux en fait concourent pour la sélection en moins de 23 ans. Il y a Paul Houlen qui a fait une super manche en finale A qui du coup est en challenge aussi. En fait, ces trois sont vraiment en compétition au coude à coude. Et du coup, les Thomas Durand et Malo Kemener doivent vraiment faire la meilleure perf possible sur cette finale B pour espérer se sélectionner en moins de 23 ans. Avant de voir Malo Kemener et Thomas Durand, hein, Thomas Durand ce sera le prochain concurrent à s'élancer. On regarde Telmo Olazabal qui a signé un 100,280 en demi-finale avec 2 secondes de pénalité. Pour l'instant ça se passe plutôt bien pour l'Espagnol avec ce stop à la 11 qui est bien négocié. On va partir sur cette verte, un petit bac pour aller chercher la 13. Ça se passe bien, sans problème pour l'Espagnol. On enchaîne, attention à ce rouleau, il se fait un petit peu brasser mais pas trop, donc il négocie bien. On va chercher la 16 sans problème, nouveau bac, on surfe un petit peu pour la 17 en contre-courant avec le stop. La 18 bien négociée. Il est dans le tempo, hein, 32 centièmes de retard,
c'est plutôt très bien en contact avec Hugo Régnier. Là, on le voit à peine en difficulté sur le rouleau, là où il s'est un petit peu fait... Un petit peu bloqué, tout à fait. Là, c'est un joli stop 22. Il sort avec pas mal de vitesse. On voit qu'il assure un bon passage là pour la suite. On a vu certains athlètes louper la porte 25. Donc, c'est vraiment la dernière difficulté du parcours. Il faut bien la cadrer. 100.32, 1 seconde 87 de retard avec 0 point de pénalité, 0 seconde de pénalité. Et bien il améliore son temps de la demi-finale puisqu'il avait fait 102.80 à peu près 2 secondes. Oui, 2 secondes 48 pour être précis je crois, ou 58 pour 100.32. Il prend la deuxième place du alors classement. On voit Thomas Durand là dans les starts qui vérifie que sa jupette est bien installée. C'est vrai que c'est une jupe en néoprène hein, qui vient étanchéifier le bateau au niveau du cockpit par lequel on rentre dans le bateau. Et c'est vrai que c'est arrivé parfois à certains kayakistes d'avoir la jupette qui saute parce qu'elle n'était pas forcément bien installée. En parcours, ça peut faire des ordres et souvent c'est synonyme d'arrêt de la manche. Et ouais, on a vu clairement, on parlait du match pour les moins de 23, hein, c'est ça Sébastien. Il a ouais, clairement tout à fait, ouais. Thomas Durand de l'Indre, Val de l'Indre, canot et kayak, qui prend des risques avec ce gros stop à la 6. Il surfe, il va changer de côté un bac hein, pour enchaîner sur la 7. 31 centièmes de retard sur Hugo Régnier. Mais ce n'est pas l'important pour l'instant. Il va aller matcher pour une sélection en moins de 23. À la 10 en inversion pour essayer de prendre le meilleur surf possible pour aller chercher cette 11 en stop contre-courant. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Il nous a fait un stop 11 très rapide. Là, il relance direct dans la phase un petit peu de moindre courant à la 13. Là, c'est plutôt pas mal ce qu'il nous produit. Là aussi, un passage très court à la 15. Il relance bien derrière, on voit que Thomas il est dans le thème, là on va voir joli surf, il se fait retenir dans son surf justement. Oh là 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 là, c'est 17, énorme 17, il a quand même du retard, 1 seconde 54 là, il a perdu le retard à ce moment là, il s'est fait bloquer, on l'a senti, il a eu du mal à repartir, à relancer pour enchaîner, 20, 21, attention à la 22, je vous rappelle c'est le juge de paix. Hop, ce stop à la 22, il le fait trop court peut-être. Est-ce qu'il a pris ? Oui, il a pris 2 secondes de pénalité pour Thomas Durand. Il a essayé de prendre tous les risques et ça n'a pas payé. Il va se lancer dans le sprint final. Il donne tout, Thomas Durand, pour aller gagner des secondes, des centièmes. 101.52, il signe quand même la troisième place avec ses 2 secondes de pénalité. Mais attention. On a dit hier, on pensait après le passage tonitruant de notre jeune... Espagnol. Non, le français. Avec Cédric Joly, oui. On se dit Cédric Joly, qu'il n'avait pas fait la grosse manche, qu'il avait eu la pression. Il se dit que c'est perdu. Et puis jusqu'à l'avant-dernière porte, c'est quasiment perdu. Et là, il y a une grosse erreur de notre tout jeune. Ouais, de Jules Bernadet qui fait que bah, c'est quand même Cédric qui l'emporte. Alors, là, effectivement, Thomas Durand, il se dit j'ai pas fait le job, je fais que troisième. Mais attention, il n'est pas passé encore. Ouais, ça va être dur hein, là en finissant avec Kemener. Un chrono de 101. Il y a la place derrière. Ouais. Donc Malo, il le sait. Et puis je pense qu'il va en profiter. Après, on va voir aussi. Ouais, mais il ne peut pas être dans la gestion. Non, il ne peut pas être dans la gestion. Mais c'est toujours un élément qu'on prend en compte. Et c'est vrai que c'est. C'est important pour les athlètes de savoir comment courir, même si effectivement il faut tout donner. Unai Namascuez, un nouvel Espagnol qu'on n'a pas vu non plus depuis 2 jours à Pau. C'est sa première qualification en finale B et ça se passe pas terriblement bien pour l'instant. Une touche à la 5 plus 1 seconde 83 centièmes de retard au premier intermédiaire. Il est pas dedans Unai hein. Ouais, c'est un athlète pourtant qui commence à avoir de l'expérience. Hein. Je pense qu'il aurait voulu jouer pour l'équipe senior, mais il a pas été assez rapide sur l'ensemble de ses sélections. Hein. Plutôt des sélections ratées pour lui. Là, on le voit essayer de tout donner sur cette dernière course pour sauver les meubles, si on peut dire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et là, on le voit un petit peu en retard là sur ce deuxième intermédiaire. 2 secondes 94 de retard avec 2 secondes de pénalité, une touche à la 5. Et
Alors voilà, je ne vais pas recommencer parce que ça m'avait porté préjudice hier, mais on n'a pas l'impression qu'il est efficace. Alors c'est très subjectif, c'est l'œil, vous allez me dire non, il faut pas tuer aux apparences, mais on le sent pas, puis on le sent pas aller chercher comme tout à l'heure Thomas Durand qui s'est arraché pour aller gagner quelques centièmes. Ouais, alors ça c'est vrai que ça dépend un peu du profil des personnes. Unai c'est vraiment un athlète très puissant, du coup qui a un rythme de pagayage qui est plus lent. Donc quand on le voit passer, on n'a pas forcément l'impression qu'il est rapide, mais il glisse quand même pas trop mal. Mais aujourd'hui pas assez et en tout cas il chippe la troisième place à Thomas Durand, ouais. Comme quoi avec un 2 secondes de pénalité, 2 secondes 99, Thomas Durand qui vient de se faire écoper d'une deuxième touche, à la 13 effectivement, donc il prend 4 secondes de pénalité. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il se posait des questions, ouais. Thomas, tout à l'heure, en se disant c'est peut-être pas 2 c'est 4. Ça va être dur pour Thomas au niveau des sélections moins de 23 ans, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc deux jokers pour Malo Kemener. Alors qu'on retrouve Samuel Hernance en haut du parcours. Samuel pour qui c'est une manche importante cette manche et il faut qu'il fasse un bon chrono. Un bon chrono, essayer de pas toucher. Pour l'instant on a seulement deux passages à zéro de pénalité. Là il prend des risques hein, Samuel Hernance, il veut y aller parce qu'en jeu, je vous rappelle, il y a un ticket pour la sélection pour les championnats d'Europe, championnats du monde. Ça passe cette inversée, ce alors stop. Là, c'est intéressant parce que Samuel il a fait bouger la porte du stop numéro 5. Elle a vraiment bougé clairement. Sauf que c'est avec l'eau en fait, c'est une gerbe d'eau qui a fait bouger la porte et le juge l'a très bien vu et du coup a jugé que c'était un passage clean comme on dit. Toujours est-il qu'après 12 portes, c'est toujours 0 de pénalité pour Samuel Hernance qui enchaîne. On voit ça, il souffle, il force, il essaie de trouver les bonnes trajectoires, il esquive de corps à la 15 verte dans le sens du courant. Là, 16 ans, il se fait emporter par le. Ouais, on a vu qu'il a tapé en fait avec sa pointe arrière le fond du bassin. En fait, dans un stade d'eau vive comme ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de profondeur avec plein de remous, mais en fait, il y a tout juste un mètre de profondeur. C'est vraiment assez peu et parfois l'athlète touche un peu le fond et c'est le cas de Samuel là. Ça l'a un petit peu déstabilisé. On voit que du coup là, c'est un petit peu plus dur. Il a perdu du temps. Cette 22, prend vraiment tous les risques sur ce bas de parcours avec des esquives dans tous les sens. On sent que voilà vraiment il faut aller chercher cette victoire et il va être vraiment à peu de choses près. Ouais, deuxième Samuel à près d'une seconde. 99.46 à 1 seconde 01 du meilleur temps de Hugo Régnier. Hein. Je vous le rappelle, c'est Hugo Régnier qui pour l'instant est en tête de cette finale B. En tout cas, Samuel Hernandez, il est allé au bout du bout pour essayer de décrocher ce ticket pour l'équipe d'Espagne. Hein. Ouais, c'était énorme. Parce que on est attentif, on regarde l'écran, on est comme lui en train d'esquiver et de faire les esquives de corps parce que ça vous prend au trip quand vous voyez un athlète comme ça qui se donne à 200% pour aller chercher. Et là on a quand même vu, même si Olazabal il a été efficace, mais on a quand même vu la différence d'engagement, je dirais. Alors on emploie souvent le terme de grinta. Mais là, Samuel Hernance, il avait la grinta, c'est d'aller chercher le petit plus qui va faire cœur. Ouais, on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et c'est clair, il a pris tous les risques. On le voyait que sur les portes, il n'y a peut-être pas une seule porte qu'il a passée sans l'esquiver. Vraiment, il a tout donné, ça s'est vu. Parfois, c'est un peu trop et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a tapé un peu le fond avec son bateau en fin de parcours au niveau de la porte 16. Et du coup, malheureusement, je pense qu'il a perdu du temps à ce moment-là. Ouais, parce qu'après, il est passé à l'intermédiaire, il est passé au-dessus à plus 69 centièmes. C'est ce qui lui a fait perdre les quelques secondes qui lui auraient peut-être permis de déloger Hugo Régnier. Toujours est-il, c'est toujours Hugo Régnier qui domine au moment où s'était lancé Vincent Delahaye de Torcy. 101.38 en demi-finale. On va voir si Vincent Delahaye va réussir à faire mieux que son temps de demi-finale et à déloger Hugo Régnier de la première place. 42 centièmes de retard après le premier intermédiaire, toujours 0 de pénalité, mais vous le savez, hein, vous l'avez compris maintenant, ce qui est compliqué c'est la deuxième partie de parcours. On commence à être fatigué, les bras ils tirent, on a mal et on a des portes en stop comme cette 17
il faut enchaîner pour rester dans la bonne trajectoire. Et il avec est plutôt bien, hein, Vincent, il fait plutôt une bonne manche pour l'instant. Et puis il est en avance, hein, il a 62 centièmes d'avance sur Hugo Régnier. Donc on va voir, Hugo a fait un très joli bas de parcours. Donc voilà, vraiment, faut rien lâcher. Il a touché sur la 22. Et il aurait pu toucher aussi le caillou avec sa pointe avant. Il est passé vraiment très proche du rocher. Il a pris des risques, hein, à Vincent Delahaye, de gros gros risques pour aller essayer de prendre le meilleur temps. Et voilà, c'est fait, Vincent Delahaye. On a vu le temps, le chronomètre, et ça a changé au dernier moment. Moi, j'avais l'impression qu'il avait pris. Ils lui ont mis 2 secondes de plus de pénalité. Aïe, porte 2. Porte apparemment 22. Les juges vidéo, en fait, il faut savoir qu'il y a les juges du bord. Donc chaque porte est jugée par 3 juges près de l'eau. Et ensuite, on a un jugement qui se fait à la vidéo. Et on a un troisième jugement à la vidéo qui analyse en ralenti pour voir si il n'y a pas une touche qui serait passée à la trappe. Et il avait fait un 96 en temps pur, Vincent Delahaye, hein, 96 en temps pur, c'est-à-dire qu'on était dans le temps, dans les meilleurs temps des demi-finales. 96, ouais, effectivement, ouais. meilleur temps des demi-finales. Fait, ouais. Quel dommage cette touche à la 22, 2, et... dommage. Et là, alors que s'élance Malo Kemener, et là c'est en jeu la sélection pour l'équipe de France des moins de 23 ans. Il est en concurrence, en match avec Thomas Durand. Et Malo Kemener, il sait que Thomas, il a eu 4 secondes de pénalité, il a un petit peu de marge, mais il ne doit pas se relâcher, parce que si on se relâche, c'est clair, on va passer à travers de sa manche. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. 15 centièmes de retard au premier intermédiaire, 7-8 qui est bien passé. Vraiment en contact avec Hugo Régnier pour l'instant, c'est plutôt très bon début de manche. Allez, 7-10. On voit qu'il prend des risques, hein. Là, un passage en avant éclair. Et il remonte bien ce bac avec un petit surf qui va bien pour l'emmener, pour prendre de la vitesse. La 12 qui se passe sans problème, nouveau bac, la 13 on enchaîne, attention à ce passage parce qu'on sait que là il y a parfois des petites erreurs après cette 14 verte, voilà la 15 où il est obligé d'esquiver avec le corps, on va chercher cette 16, encore une petite esquive, un petit surf, un petit bac, il a perdu un peu de temps là avec cette 17 qui lui pose un peu de problème. Joli stop derrière. Il est en avance avec une seconde 13, c'est plutôt, On le sent fort, Malo Kemener. C'est vrai que Hugo Régnier a fait un bon bas de parcours. On va voir comment il s'en sort. Ouh là là, cette esquive du corps. Ouh, bah d'ailleurs, c'est pénalisé d'une touche avant à la porte 20, à la sortie dans le rouleau, à la sortie du stop. Attention, il entame le sprint final. Ça va jouer à pas grand-chose avec Hugo Régnier, mais aussi avec Thomas Durand. Mais je pense que Malo Kemener, il va aller décrocher cette sélection pour l'équipe de France des moins de 23, puisqu'il finit en troisième position, 99.53. Et Malo Kemener, il est juste devant, de toute façon, Thomas Durand. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Et on voit qu'il y a eu un petit peu de changement là dans le classement avec Samuel Hernandez, du coup, qui reprend la deuxième place, hein, à 0 de pénalité. Donc, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Ah, que d'émotion. Que d'émotion. On voit les matchs à tous les niveaux, toutes catégories d'âge avant le départ de Paul Cornu Chauvin qu'on a. Malo Kemener vient de. La touche de Malo Kemener à la porte 20 vient d'être enlevée par les juges vidéo. Et donc place. Du coup Malo reprend la première place. Alors le jugement là on a du mal à suivre, mais vous voyez, hein, c'est ce qu'expliquait Sébastien. Les juges vidéo en bas, ils analysent, ils décryptent tous les passages, ils ont des caméras sur toutes les portes, ouais. Ce qui leur permet soit de mettre un 2 de pénalité ou un 50 s'il y a eu un problème juste après la course, mais aussi le juge a pensé qu'il y avait une petite erreur et on dit non, là on a bien regardé l'image, il n'a pas touché. Ouais, ils ont jugé certainement qu'à la porte 20, donc qu'avait jugé le juge sur le bord. La porte bougeait et les juges vidéo ont certainement dû juger que c'était l'eau, justement, il y a un gros rouleau à cet endroit-là, l'eau qui a dû faire bouger la porte et non l'athlète. Donc du coup, ce n'est pas pénalisé d'une touche. Paul Cornu Chauvin de Pont d'Arc, qui pour l'instant s'était lancé, 0 de pénalité, 3 centièmes d'avance sur Malo Kemener.
maintenant, qui a chippé le leadership à Hugo Reynier. Leadership provisoire, évidemment. Est-ce que ça va continuer? Ah, oh, c'est joli. On voit que Paul prend tous les risques. Hein. Il est vraiment à fond. On le voit faire des esquives dans tous les sens. C'est la première fois qu'on le voit dans une finale B sur ses sélections. Donc, il a envie de tout donner, de rattraper les courses manquées des autres jours. On va voir si ça va tenir jusqu'en bas. Hein. C'est plutôt pas mal. Il est en contact avec Malo Kemener à juste une seconde au dernier sectoriel. Voilà, il est encouragé, vous entendez hein, sur les micros d'ambiance. Il est encouragé par toute la ses supporters et il prend le deuxième temps. Il est content, il n'en revient même pas. Il n'en revient pas, Paul Cornuch au chemin. Deuxième temps provisoire de cette finale B en 98.20. Et un zéro de pénalité. Il a explosé son temps de la demi-finale ou pas? Oui. Ouais, clairement. Ah oui, clairement, explosé le temps de la demi-finale. C'est un super temps qu'il nous propose. Il a fait 99-75 avec un zéro de pénalité avec déjà. Avec un zéro de pénalité déjà. Donc là, il nous fait deux manches à zéro. Je pense que déjà là-dessus, il est content. Et puis le chrono en 98.20 est bon. On a vu qu'il a pris tous les risques et que ça paye. Donc c'est super. Et donc à l'issue de cette finale B. Victoire donc de Malo Kemener qui en 97.53, 0 de pénalité alors qu'on lui en avait attribué un moment une qui a été enlevée finalement avec le jugement vidéo. Et vous avez vu quand même, ce qui est impressionnant, c'est que ça va très très vite. Bah, vous connaissez, ouais, mais ouais, pour fait, les téléspectateurs, on a l'impression que ça se fait quasiment en temps réel. Instantanément. Ouais, et tout ça à veut fait, dire ouais. qu'il n'y a plus possibilité pour les entraîneurs, comme ça peut se faire au niveau international ou dans certaines disciplines, on a quasiment plus de protestations, de contestes. Le but, c'est d'améliorer effectivement le jugement, qu'il soit le plus vrai possible, même si l'erreur peut encore arriver. L'erreur est humaine, comme on dit, mais humaine, bon. Mais là, on voit vraiment que la fédération fait tout pour compléter un jugement sur le bord. Trois juges sur une seule porte, et puis complété par un deuxième jugement vidéo dans le PC course aussi, et puis un chef juge qui, lorsqu'il y a problème, analyse, fait des ralentis sur image, triangularise la porte, etc. Donc c'est vraiment un jugement de qualité qu'on peut avoir. Et vous l'avez vu, hein, les téléspectateurs qui suivent les championnats de France tournoi, ça s'est décidé en un passage, en moins d'une minute. C'est ouais. une minute vingt. Moi, 1 minute 20, 1 minute 30, 90 secondes à 120 secondes, donc 1 minute 30 à 2 minutes. Et vous vous rendez compte, le concurrent suivant n'était quasiment pas arrivé, que la décision était déjà prise. Ouais, ça va fait, très ouais. très vite, c'est du temps réel. Et il y a des moyens vidéo qui sont là pour que les juges décident très rapidement. Et du coup, Malo Kemener a pu reprendre la première place. Et on va être clair, a pu décrocher sa sélection en équipe de France à moins de 23. Ouais. Ouais, on va retrouver en moins de 23 Mathurin Madoré, hein, qui était un jeune athlète qui s'est déjà sélectionné en équipe senior et qui, s'il le souhaite, pourra faire les championnats du monde, championnats d'Europe moins de 23 ans, si, suivant son programme, parce qu'après c'est vrai que c'est pas évident de. Alors Sébastien, si jamais Mathurin dit je suis toujours moi l'avocat du diable, mais je ne ferai pas les championnats d'Europe ou les championnats du monde des moins de 23 parce que je suis sélectionné pour les championnats d'Europe, les championnats du monde des seniors. Est-ce que la fédération, l'équipe de France, la DTN, peut dire à notre ami qui a été Thomas Durand, qui a été le malheureux de cette sélection, peut lui dire tu seras rattrapé. Ouais, c'est envisageable, tout à fait. Ouais. Effectivement, là, dans les prochains jours, d'ici ce soir ou vraiment très rapidement, les sélections officielles vont être validées. On saura exactement qui est sélectionné pour quel type de compétition. Et ensuite assez rapidement, certains athlètes, des jeunes athlètes moins de 23 ans qui sont sélectionnés chez les seniors, vont devoir dire s'ils participent à l'ensemble des compétitions moins de 23 ans ou s'ils se concentrent exclusivement sur les seniors, notamment dans le contexte d'une présélection olympique. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et donc du coup, à ce moment-là, la fédération décidera d'aller chercher le quatrième bateau moins de 23 ans
pour le faire rentrer dans la sélection moins de 23 ans. Oui, parce que vous qui avez l'expérience, qui avez vécu tout ça, mais championnat d'Europe, championnat du monde, coupe du monde, Jeux Olympiques à terme, hein, parce qu'on est très rapide, parce qu'on est à un an et demi de Tokyo 2020. Ça va arriver vite, mais ça veut dire aussi un enchaînement de compétitions, des voyages, des déplacements, de la récupération, parce qu'une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Donc on va un petit peu partout dans des pays où on aime le canoë et kayak. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gros déplacements. Donc il y a beaucoup de. Il faut gérer toute la récupération. Il y a de la fatigue, effectivement. Hein, la tout fatigue, à fait, ouais. Fatigue accumulée. Donc est-ce qu'un jeune, il va pas se dire avec son staff et son encadrement, forcément, ce sont les seniors. Les seniors, ça veut dire Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Alors le calendrier est quand même plutôt assez bien fait au niveau de la fédération internationale. On a d'abord le championnat d'Europe qui se fait fin mai. Ensuite, à partir de mi-juin, on a une série de 3 coupes du monde qui vont s'enchaîner. Cette coupe du monde senior, ce qui nous amène à peu près à la fin de la première semaine de juillet. Et ensuite, dans la mi-juillet, on a le championnat d'Europe qui se fait. Et ensuite, en août, un championnat du monde. Et c'est seulement fin août, début septembre qu'on a une série de 2 coupes du monde suivies fin septembre du championnat du monde. Donc voilà, après les athlètes pourraient tout faire effectivement parce que tout est bien calé. Bon, moi je voulais donner de l'espoir à Thomas Durand, c'est vrai que voilà, on peut aller ici et là, mais dans ce cas-là l'athlète est tout le temps en compétition. Voilà. Et effectivement, dans une optique de sélection, de pic de forme, pour etc. les championnats du monde, c'est pas forcément la bonne solution et c'est là que chaque athlète devra faire son choisir, choix. Voilà. Et comme le on meilleur. Dit, choisir, c'est aussi renoncer. Donc parfois, il faut savoir renoncer à peut-être le championnat d'Europe des moins de 23 où Madoré pourrait performer et être champion. Hein. Tout à fait. Et se dire, oui, je pourrais être champion, mais peut-être que l'intérêt pour moi, c'est d'aller être performé au championnat du monde pour faire le quota et me qualifier pour les Jeux Olympiques. Après, voilà, c'est libre à chaque athlète, mais clairement, la précision est intéressante pour savoir si, auquel cas, Thomas Durand, qui a fait quand même un fort pendant 4 étapes, pourrait être rattrapé, repêché, comme on dit, même pour si j'aime pas trop ce mot-là, parce qu'en sport, c'est un peu dur. Alors qu'on voit le passage d'une Espagnole qui se fait totalement embarquer sur la 10, elle s'est fait brasser, de chez brasser, comme on dit. Elle est obligée de faire le tour du rocher central pour aller chercher la 10 et la reprendre. Elle a reloupé, effectivement. Ce sera la note artistique de la journée. Ouais. Merci à cet Espagnol, Irati, Goikoetxea, qu'on a vu avant-hier, à bien mieux, hein, bien mieux positionné. Ouais. Mais là, elle s'est fait vraiment embarquer. Je pense qu'à la vidéo, après, elle va peut-être en sourire ou pas. Facile. C'est pas facile de voilà, une fois qu'on loupe la porte, qu'on descend, qu'on remonte, parce qu'on a vu vraiment contourner l'île pour remonter. Bon, là déjà, elle sait que la course est terminée, donc ensuite elle essaye d'avoir la porte 10 et elle la loupe. Bon, voilà, là on voit qu'elle va essayer de terminer proprement parce qu'elle est sport, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Ouais, compliqué hein, pour Irati qui, du coup, maintenant est à 52 de pénalité et qui va être loin, loin. Ce sera forcément pas un temps de référence pour. Pour cette finale, ce sera pas le temps de référence. Alors oui, Lille, c'est-à-dire là quand même on a eu l'impression qu'elle voulait se protéger un moment des rouleaux pour repartir et faire le sens inverse, parce que si elle prenait directement, elle était tout en contre-courant, ça aurait été encore plus dur. Ouais, c'est sûr que effectivement, hein, de toute façon l'intérêt du canoë kayak slalom, c'est vraiment d'utiliser l'eau un maximum. Parce que la nature est plus forte que nous et c'est vrai qu'à contre-courant on n'ira pas bien loin, donc tous ces athlètes en fait essayent d'utiliser au mieux le courant avec leur embarcation et leur pagaie pour faire le parcours qui est dessiné par les traceurs. Julia Budzinski, la Nancéenne à présent,
qui s'était lancé, Julia de Nancy-Tomblaine, 166,33. Elle avait 10 secondes de pénalité en demi-finale. Autant vous dire que c'était très compliqué pour se qualifier pour une finale A avec 10 secondes de pénalité. Déjà 2 secondes après à la porte, avec une touche à la porte 2. Elle est un petit peu dans le dur là, Julia, sur cette porte 10. Finalement, on a un petit peu de soucis sur le passage de cette porte 10. La preuve, elle touche à la 10. Une touche supplémentaire. 4 secondes de pénalité pour Julia Budzinski. Et là, elle se fait un peu brasser. Ouais, on sent qu'elle se fait brasser dans tous les petits rouleaux là, entre la porte 12 et la porte 13. Fatigue. Ouais, fatigue, c'est surtout que c'est vraiment difficile en canoë. On sent que voilà, elle a du mal à tenir sa pointe avant avec ses genoux et on voit que le bateau va un petit peu à droite, à gauche. Et là, l'objectif, c'est vraiment de créer de la vitesse pour franchir tous ces petits obstacles. Et bon, on sent qu'elle manque un petit peu de certainement de gainage pour réussir à... Gainage, à... oui, parce qu'il faut se rappeler qu'elles sont à genoux. À genoux, oui, à genoux. Les fesses à peu près à 6 cm de haut, les malléoles au niveau des fesses. C'est vrai que c'est une position très particulière. Bon, évidemment, vous avez vu le deuxième temps intermédiaire s'afficher avec moins 62,42, ce qui est normal puisque, je vous rappelle, l'Espagnol avait pris un bon 52 de pénalité avec ce beau petit tour de Lille. Un petit tour et puis s'en va parce que forcément ça lui a coûté très très cher au point de vue chronomètre. On va avoir le premier temps de référence, mais clairement avec ces petits soucis pour se gagner avec cette inversion sur la 22 avant d'enchaîner le sprint final. On a vu beaucoup de tentatives d'inversion sur cette porte 22. J'ai pas l'impression alors c'est pareil hein, à vue d'œil que c'était la bonne solution, parce qu'on a l'impression que ceux qui avaient pris un petit peu d'avance avant la 22 pour se projeter sans l'inversion, ils ont gagné du temps. Ouais, effectivement, à la sortie du stop à droite, il y a trois portes décalées. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment de prendre du temps avant se décaler pour ensuite réussir à enfiler les trois portes en marche avant et d'éviter de faire une inversion sur la deuxième porte verte. Une inversion, hein, vous l'avez compris, c'est on se met dans l'autre sens pour passer la porte en partant du haut vers le bas, mais quasiment de dos. Et donc on inverse le sens de la navigation. De manière à prendre de l'avance et sur la porte qui suit, ouais, tout à fait. Donc, mais apparemment, ce n'est pas la bonne optique de trajectoire sur cette 22, puisque tous ceux qui l'ont tenté ont perdu du temps. La preuve avec Julia, alors que s'était lancée Maria... Marta Barba, ouais, tout Marta à fait. Barba. Qui elle aussi est en difficulté sur la porte 10. On le voit là qui du coup est obligé de faire une inversion aussi pour repartir pointe vers le haut, se mettre dans la bonne position pour faire un joli surf. Alors je vais rien dire parce que je me suis fait piéger encore hier, mais là on a l'impression qu'elle perd énormément de temps. Bah, 3 secondes 70 déjà au premier intermédiaire avec deux touches à la 5 et à la 6. Elle est dans le dur malgré ses tentatives de border et déborder à gauche et à droite. Donc c'est là, vrai qu'on voit, hein, on est en canoë. Donc, et une touche encore supplémentaire à la 15. Cet athlète est à genoux dans son bateau avec une pagaie simple, avec une seule pale. Et on voit que bah, du coup, elle ne peut pagayer que d'un côté. Et alors parfois, les filles, et on l'a vu aussi hier... certains garçons le font, comme Martin Thomas qui a quand même gagné sa sélection chez les seniors. Et qui m'a dit tout à l'heure quand je l'ai croisé, c'est encore quelque chose, j'ai vu que ça fonctionnait, il faut encore que je l'améliore. On en parlait tout à l'heure, on s'est croisé avant le début des finales A de Kayak Homme. Il m'a dit, j'ai ma base de travail. Ouais, d'accord. Mais le déborder, pour moi, ça a été payant, mais il faut encore que je m'améliore pour que ça devienne un automatisme, surtout sur donc, ce parcours de Pau qui est plutôt à droite. Ouais, plutôt à droite, effectivement. Ouais. Alors, c'est pour Martin, c'est vrai que c'est le fait que le parcours tourne à droite, du coup, avantage les séistes pratiquant du canoë qui pagayent à droite naturellement par rapport à ceux qui pagayent naturellement à gauche. Donc, du coup, lui a fait le choix de se former des deux côtés. Et du coup, ça paye parce que parfois, il change son côté de pagayage. Mais il est puissant. Et il est puissant des deux côtés. Ouais, c'est ce que font les filles également. Ouais. Ouais, et c'est ce qu'on font les filles avec peut-être un petit peu moins de réussite pour Marta Barba qui a fini quand même seconde, hein, mais à 15 secondes, 76 ouais. De
du meilleur temps de Julia Bundzinski, la Nancéenne, qui finalement pour l'instant occupe toujours le leadership, alors que s'était lancé Tiffen Primé, qui a déjà 4 secondes de pénalité, une touche à la 4, une touche à la 7, 1 seconde 74 de retard sur le temps de Julia Bundzinski, qui finalement va gratter petit à petit des places. Et encore une touche avec le à dos. À la porte 10. À la porte 10. Elle qui arrivait pourtant au bon niveau dans cette porte pour faire une belle inversion et repartir dans ce surf pour avoir le stop de la 11. C'est difficile, hein, on la voit là en difficulté, là justement pour créer de la vitesse alors qu'elle la pointe arrière qui dérape. Qui fait perdre du temps. Là, on la voit dans ce rouleau aussi un petit peu chercher devant loin. Oh là là, et voilà, bel esquimotage de Tiffen. Voilà, on a bien vu. Alors la technique d'esquimotage est différente suivant l'embarcation. Hein. Le kayak ne va pas forcément esquimoter de la même manière que le canoë. Là, on l'a très bien vu à l'écran. Lorsqu'elle a su qu'elle allait tomber, elle s'est jetée sur l'arrière et en fait, c'est un geste de coup de pagaie de l'arrière vers l'avant qu'elle a réalisé pour en fait s'appuyer sur l'eau et au même moment à l'aide des hanches remonter à la surface. En kayak c'est différent, on va chercher plutôt la pale à l'avant du bateau, faire un geste vers l'arrière et à ce moment là le bateau revient revient au-dessus de l'eau. Elle est bloquée, elle est brassée, Tiffen, elle n'arrive pas à s'en sortir de ce rouleau. On voit qu'elle est en difficulté. Elle se lance. Alors bon, là clairement Tiffen, bon, elle va avoir la note artistique de la journée parce que là elle était en difficulté. C'est difficile. Sébastien, comment on peut être bloqué dans un rouleau comme ça? Alors parce que là, on avait l'impression que la pointe de son embarcation était bloquée. Effectivement, c'est pas évident. On en sourit, mais c'est, non, c'est vraiment difficile. Le jeu est vraiment de réussir à alléger son bateau pour vraiment glisser au-dessus de l'eau et jouer avec l'eau. Mais effectivement, quand le bateau est pris dans le rouleau, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut réussir à se sortir. Alors, il faut se pencher sur l'avant plutôt que sur l'arrière. Moi, personnellement, je serais en panique. Hein. Je vous le dis. Ouais, a priori, vous seriez encore dans le rouleau. Moi, mais... je n'en sors plus. Puis je vous appelle, vous venez me chercher. Vous me lancez une corde parce que là, on sourit. Parce qu'effectivement, on est dans du haut niveau. On ne s'attend pas à avoir un souci comme ça. Mais clairement, vous mettez, pour reprendre un peu de sérieux, vous mettez n'importe quel néophyte, on passe par la première porte, il faut être honnête. Ah si, la première peut-être. La première, parce qu'on nous lance. On nous lance. Non, effectivement, le bas du parcours. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce stade d'eau vive, le fait que ce soit un stade d'eau vive artificiel, il est totalement régulable. C'est-à-dire oui. Qu'en fait, c'est comme un robinet, on peut mettre plus ou moins d'eau dans la rivière artificielle. Et du coup, adapter ainsi la difficulté du parcours. Et effectivement, Pascal, si vous alliez naviguer sur ce parcours, vous seriez, enfin, on vous mettrait un débit différent et puis ça serait un petit peu plus à votre niveau. Ou on appelle les pompiers avant que je parte, au choix, parce que franchement, avec cette touche aussi encore à la 16. Non, mais toujours est-il que on en a souri parce qu'effectivement, elle était en difficulté et puis ça fait des images un peu spectaculaires, des images qu'on aime, même si on a vu. Voilà, c'est ce que vous me disiez et c'est pour ça qu'on en sourit. Il n'y a pas de danger parce que s'il y a vraiment un problème, non, on coupe fait. Tout. On a des boutons poussoirs, tout s'arrête. On a des gens qui sont aussi des sauveteurs qui sont tout au long du parcours pour secourir les athlètes s'il y avait n'importe quel souci que ce soit. On est vraiment en toute sécurité. Beaucoup de secouristes pour venir me sauver si on me lançait sur un parcours comme ça, parce que je vous rappelle c'est quand même du très très haut niveau et le but c'est quand même de piéger entre guillemets, de mettre des pièges plutôt pour que nos séistes ou nos kayakistes montrent tout leur talent et on avait l'impression, parce qu'on a vu depuis le début des compétitions, on a vu 50, 60, 70, 80 kayakistes et séistes passer sans problème et là ça bloque, ça arrive, après c'est la fatigue, c'est voilà, effectivement on est, c'est souvent la fatigue ou le niveau aussi, hein. Là on est sur un niveau un petit peu inférieur, on a vu que c'était difficile tout au long du parcours et forcément dans les passages un petit peu plus mouvementés, tout de suite c'est vraiment, vraiment plus compliqué. Alors que s'était lancé Anise Moisan Erven,
pour l'instant prend un 52 pénalités à la porte 2. Ouais. Ça aussi, c'est pas arrivé beaucoup. Alors, on a eu hier des passages où il y avait beaucoup de touches à la haute dans les 2-3 premières portes. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, on sort un peu de la compétition, on est plus dans l'explication, on se prépare au championnat d'Europe pour la fin mai. Il y a eu 4 épreuves de sélection. Est-ce que là, pour justement ces jeunes ou jeunes femmes, et ces femmes qui passent ou ces jeunes hommes qui passent à la fin, il y a de la fatigue accumulée et qu'à un moment, on commet des fautes qu'on n'aurait pas commises avec un tout petit peu plus de récupération, un peu plus de lucidité, parce que voilà, c'est aussi ça l'enjeu des sélections, montrer si on a le potentiel mental, physique et technique. Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que tout est abordé, et le but de ces sélections qui sont longues, hein, on est sur près de 2 semaines de compétition, c'est de vraiment... vraiment avoir les meilleurs qui se sélectionnent en finale et qui soient en équipe de France. Et donc, du coup, c'est vraiment une usure mentale qu'on a et on le voit bien souvent. Encore une fois, un décalage, ça fait le deuxième consécutif pour la Golbeo. Spin Alien, Alice qui se fait entraîner. Elle venait de s'appuyer, hein, vous l'avez vu s'appuyer sur le rocher. Et vous me l'avez dit, appuie sur le rocher. Pas bien, ça montre qu'on n'est pas dans le bon tempo et qu'on est en difficulté. Et juste après, donc Alnise dessale, est obligée d'esquimoter, donc elle perd beaucoup de temps. Et là, elle a un 200, hein, puisqu'elle a en plus raté les portes. Et là, elle se laisse encore brasser par le rouleau. Et là, quand même, on sent qu'il y a quand même de la fatigue physique, ouais, on sent mais que c'est mentale. Difficile, ouais, tout à fait. Il y a les deux. En fait, le but de l'entraînement est vraiment de repousser un maximum ce cap de fatigue. De manière à pouvoir être lucide jusqu'au bout du parcours, quoi. C'est elle vraiment ça ans. Le travail de l'entraînement. Elle a 20 ans, Alnise, elle est encore jeune. Alors oui, vous allez me dire tout à l'heure, oui, c'était des. Elles avaient 21 ans. Lucie Priou, elle a 21 ans. Doriane Delassus qui a 16 ans. Emma Vuitton, elle a 15 ans. Mais après, la maturité sportive, elle n'arrive pas. Tout chacun le monde n'arrive pas au même âge. Courbe de progression, effectivement. On a vu de très bonnes athlètes. Avoir leur pic de résultats plutôt à 35 ans, là où d'autres l'ont à 20 ans. Donc c'est vraiment variable et suivant chacune des athlètes. Alors que s'était lancée Sanet Etchari, une Espagnole qui elle, voilà, on voit que Sanet, en tout cas en haut de parcours, d'abord, il y a zéro de pénalité. Elle a touché, hein, avec l'arrière de son embarcation Les Rochers. Elle a perdu un petit peu de temps, mais c'est quand même assez propre pour l'Espagnol Etchari, zéro de pénalité, 3 secondes 0,7 d'avance au premier intermédiaire. Voilà, on sent que là il y a plus de contrôle. Ouais, on sent que Yannette fait vraiment le job. Elle a pris de l'avance à la porte 9, de faire une inversion pour justement après bien passer cette porte 10 qui a posé beaucoup de problèmes à de nombreux athlètes, pour ensuite faire un joli surf. Donc elle prend le temps à certains endroits pour vraiment être plus rapide à d'autres. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On va voir si ça va jusqu'au bout comme ça. Alors là. Là, oui, là, malheureusement, elle s'est fait un petit peu emporter dans cette porte 16 et du coup... Elle a perdu énormément de temps, hein, pour essayer d'attraper ce surf, justement, le petit passage qui lui permet de faire le bac vers la porte 17. Et là, elle a perdu énormément de temps. Oui, voilà, elle avait 3 secondes 07 d'avance, elle a perdu presque 7 secondes. Elle est à 4,80, ouais, 7 même, voire 8, hein, secondes, puisque 4 secondes 95 de retard après le deuxième intermédiaire. Eh bien, comme quoi... Rien n'est acquis. Ouais. Rien n'est acquis, c'est jamais gagné, c'est jamais perdu non plus, mais c'est jamais gagné. Un bon stop à la 22, non, pas du tout. On l'avait pourtant senti bien engagé, finalement. Eh bien, c'est dur là, pour on tout sent le que monde. C'est dur pour elle de finir, là. On sent qu'elle était partie sur un bon rythme en première partie de parcours. Et là, les coups de pagaie sont plus lourds, moins de réactivité. Là, elle donne tout sur le sprint final. Là, on voit que c'est vraiment dur. Ouais, dur, elle échoue donc Etchari à la deuxième position. Toujours Julia Budzinski finalement avec 4 secondes de pénal à 147,47. On est loin, très très loin des temps de la finale, des temps des demi-finales. Hein. Demi-finale, c'était 124,05. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a quand même un gros gap entre cette finale A et finale B. C'est pas forcément toujours le cas.
on voit qu'aujourd'hui, ces athlètes c'est semblent en vraiment difficulté sur ce type de parcours, qui demande en fait, en début de parcours, d'avoir pas mal de glisse. Quand même un parcours aéré en haut, même si les trois premières portes, pour le coup, sont un peu étriquées. Après, ça se fluidifie. Et sur la deuxième partie du parcours, on est vraiment sur un parcours avec des traversées, des surfs dans les rouleaux. Et du coup, des passages plus difficiles pour ces athlètes déjà plus jeunes, plus légères aussi. Hein. C'est plus dur, on se fait beaucoup plus brasser dans un rouleau lorsqu'on fait 40 kilos que quand on en fait 90. Donc du coup, c'est voilà, plusieurs éléments qui font qu'elles sont un petit peu moins rapides que celles de la finale A. Pour preuve, Clara González, l'Espagnole, qui a touché à la 3 hein, dès le début du parcours, à la 5, 2 secondes supplémentaires, 3 secondes 62 retard au premier intermédiaire. Ça se passe mieux dans ce deuxième tiers de parcours. Elle a toujours que 4 secondes de pénalité. On s'en croit que c'est difficile avec cette esquive de corps. La 14e est passée sans touche, sans pénalité. On va bientôt atteindre le deuxième temps de référence, le deuxième intermédiaire, pour voir un peu ce que ça donne. Avec ce stop difficile à la 17. Elle perd du temps, elle va être loin l'Espagnol, 1 seconde 86 du temps de Julia Bunziski qui finalement s'en sort bien, Julia, ouais. La Nancyenne, Nancy Tomblaine qui s'en est bien sortie. Avec malheureusement 4 secondes de pénalité hein, qui aurait pu encore le... accentuer. Oh, un dessalage encore. Ah, c'est là, c'est oula, elle perd sa pagaie. Ah, c'est vraiment pas évident, elles se font remuer dans ce rouleau de la porte 20. On voit qu'elle va essayer de remonter hein, le courant donc en traversant la rivière pour essayer de récupérer la porte 21. Et puis finalement non. Et non, parce que à mon avis c'est trop dur. Elle trop remet difficile. Son casque. Elle va prendre la 22, donc elle a pris 52 pénalités évidemment. Ça fait 54, elle va être loin l'Espagnole, Clara González. Vous avez vu, on la sentait plutôt bien en début de parcours et ça a complètement lâché, tout peut basculer, enfin, trop dur physiquement. Autour de Camille Castric qui va peut-être prendre la tête, on va voir. Elle va aller essayer de matcher Julia Budzinski qui pour l'instant est depuis son passage. Et Julia Budzinski, elle est passée en deuxième position. Ouais. Dans cette finale B et elle est toujours en tête, c'est vous dire si le parcours est difficile pour les concurrentes de cette finale B avec un temps intermédiaire qui était intéressant, 1 seconde 44 d'avance et une pénalité de 2 secondes à la porte suivante à la 8, à la 7 pardon. Alors on la voit en difficulté là Camille et à la 9 sur ce milieu de parcours là. Là, elle est partie un petit peu trop vite de cette porte 10. Elle a voulu partir direct et effectivement, elle a vu qu'elle était sous la vague et du coup, elle a décidé de revenir dans le contre-courant pour remonter et ensuite faire le surf. C'est une bonne preuve de lucidité de sa part parce que sinon, elle n'aurait pas réussi à avoir le stop en face. Et malheureusement, c'est quand même du temps de perdu, hein, faut pas se leurrer. Ces petites erreurs de trajectoire coûtent cher quand ça se joue au centième, à la seconde. Et là, c'est une touche de plus. 6 secondes de pénalité avec cette touche à la 15. C'est difficile pour nos finalistes B aujourd'hui, cet après-midi en canoë. Et pourtant, hein, je vous le rappelle, par rapport à la première journée, il y a 2 portes rouges en moins. Ouais, effectivement, on a toujours autant de portes au final. On 25. A 25 portes, mais par contre, effectivement, les traceurs ont décidé d'alléger le nombre de portes rouges. Ils peuvent le décider. Hein. C'est entre 6 et 8 portes qu'ils doivent placer. Et là aussi, elle se fait brasser, elle se fait bloquer une nouvelle fois. Elle s'en sort pas. Oh. Comment elle va le bateau qui a soulevé, elle s'est battue. Elle est partie en avant, repartie en arrière, retenue par le rouleau. Et puis finalement, elle passe à côté de la porte 20. Donc là, elle est partie remonter. Et elle a du mal encore à s'en sortir. Hein. Elle se fait bousculer. C'est vraiment difficile. En plus, au final, elle passe vraiment très proche de cette porte 20. Là, elle a perdu beaucoup de temps. Hein. Clairement, ça risque d'être difficile pour garder la tête de cette finale. Hein. Bon, clairement, 154, elle est loin, elle est déjà derrière Julia Bunziski. Alors qu'on voit le départ de la dernière concurrente de cette finale B, Charline Berger-Martin. Julia Bunziski est toujours en tête de cette finale B.
Dernier passage, va-t-elle réussir enfin à battre le temps de Julia qui finalement en partant à l'avant-dernière position c'est ici à la première place de cette finale B, un bon résultat pour la Nancéenne. Toujours est-il qu'elle est matchée à présent par la dernière concurrente de ces épreuves, de ces finales de championnat de France élite en la personne de Charline Berger-Martin, 98 centièmes d'avance. C'est la seule à avoir vraiment matché en haut de parcours, Judah Budzinski. À zéro pour l'instant. Et zéro de Pena. Mais attention, attention, parce que tout s'est joué. Voilà, dans la fin de parcours, on le disait, la 9e qui est touchée. Et du coup, elle est bousculée. Voilà, la 10 qui est passée. Il faut aller chercher fort pour cette 11 en stop. Oh là là, elle s'est fait entraîner. Elle a touché, j'ai l'impression, les plots de derrière, le verre. Ah, tout à fait, ouais. L'arrière de l'embarcation, du canoë. Eh bien, c'est bien parti pour Julia Budzinski pour s'imposer. Ça sera un très bon résultat pour Julia qui était 13e du classement général et qui va grappiller des petites places. C'est dur de dur. Est-ce que c'est passé? Est-ce qu'elle va prendre un 2, un 50? On laisse les juges Charline en décider. Ah oui, c'est vrai que c'est apparemment limite, hein. Zéro de pénalité par les juges pour l'instant. En fait, et puis là, on la voit. Ouh là là, en vraie difficulté. Elle esquimote juste avant le passage du rouleau. Et elle a pris un 50 à la 17. Elle prend un 50 à la 17 qu'elle n'a pas réussi à prendre, à rattraper. Ouais. Voilà, fin de parcours. Et ça va être la fin des championnats de France. On va se quitter sur le parcours de Charline Berger-Martin et la victoire de Julia Budzinski. Merci à Sébastien d'avoir commenté à mes côtés ce championnat de France. Rendez-vous au championnat d'Europe. Ce sera ici même à Pau d'ici 3 semaines, 1 mois. Et nous, on se donne rendez-vous pour les prochains événements sportifs sur Noah, notamment le Grand Prix de Pau. À bientôt pour le sport sur Noah, la Nouvelle-Aquitaine et la chaîne de tous les sports de la Nouvelle-Aquitaine. Bye bye.